Bonsoir. Venir faire des commentaires, c'est ça? Eh oui! Commentaires constructifs. Des commentaires toxiques. Tu peux. Regarde, c'est. Attends, je te mets l'écran plus rapide. Magnifique gobelin! Qui n'ont perdu qu'une fois. Mais faut pas avoir peur. Hello, hello. J'ai entendu constructif. Dans constructif, il y a con. Donc j'ai entendu. Il y a tif. Donc ouais. Donc des gobelins qui n'ont perdu qu'une fois. Donc ils ont très bons. Il y a Volgrot aussi dans l'équipe, hein, c'est ça. Je sais plus. Je suis pas certain. Il y a Josh. Tu peux faire les commentaires, Josh. Josh, il est très fort en commentaire. S'il n'y a pas Volgrot, c'est une équipe gobelin. Je crois hein. qu'il y a Volgrot. Hein. Ah, ça serait dommage de pas l'avoir. Allez, je vous laisse commenter. J'ai vu la tête alien. Bon match, Cortec. Ah, il a vu. Bon match, Cortec. Et bon match, Griff, hein, surtout. Ouais, Cortec est parti. Non, il est toujours là. Ouais. Il est particulièrement décoiffé en ce début de match. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. T'as Braza et Cascool qui sont partis il y a 5 minutes. Ah oui. Oui, bah, c'est plus sympa de venir te voir quand même. Aussi. Mais j'ai pas pu. Mais j'ai vu ta tête. Braza, elle a fait une photo, elle a des preuves, tout ça. Mais quand il me cherchait, j'étais sur le moment d'envoyer mon selfie pour qu'il me reconnaisse. Ah non, mais c'était fantastique parce que moi je reconnais le carrefour, je le connais par cœur. Mmh. Vous étiez. Et donc je vois l'un qui prend la photo et je sais que l'autre il est exactement à 2 mètres à sa droite. Bon, ils auraient pu te dire qu'ils avaient des manteaux rouges tous les deux. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon. Bon, ils étaient bien visibles. Mais je les aurais reconnus si je les avais vus d'abord en fait. Mais... Bon, il y a 2 pots de vin et un bol grotte du coup. Ah oui, en fait, il enlève le casque, d'accord. Donc tu crois que si on crie suffisamment fort, il nous entend quand même ? J'ai pas envie que tu cries dans mes oreilles, mais... Oh non, non. Mais tu peux essayer, hein. Alors, je crois que sur le live, ils ont une pub. Donc on va vous décrire. Là, pour l'instant, on voit la tête de Griff. C'est écrit Veritas sur sa tête. Alors, je sais pas pourquoi. Ça dépend où t'es, hein, parce que moi, j'ai pas Veritas, mais j'ai une pub aussi. Hein. Oui, mais moi, je suis sûr. En fait, tu vois, il stream sur Discord. C'est plus rapide. Oh, bien vu, putain. Je l'avais pas vu. Ouais, donc là il discute un petit peu gentiment. Alors, ce qui peut expliquer les résultats mitigés de Griff, c'est la tenue de l'équipe quand même. Parce qu'on remarquera que. C'est vrai que par hasard on a parlé de tenue d'équipe. Hein. Quand on était. Je sais pas si ils t'ont dit on était allé là, mais. Oui, ils m'ont dit, ouais, je suis très déçu, mais je peux comprendre. En fait, l'endroit que je vous avais dit, il y a un portier à Noël. Ah. Un portier dans le sens, c'est pour gérer les embouteillages. Ouais, tu laisses pas rentrer les gens tant qu'il n'y a pas de place, en fait. Et donc, si vous auriez posé la question, vous seriez rentré avant. Mais... J'ai pas pensé à vous le dire. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu short sur le temps, du coup. Mais... méthode. Déjà, sur papier, avec ton horaire normal, moi je trouvais ça trop court. C'est pour ça que je suis pas venu d'ailleurs. Mais alors, avec le rabot de. Ouais, avec le retard. De SNCB et SNCF combiné. Après, je pense que sans le retard, ça va, j'étais quand même un peu pépère. Hein. J'avais 2 heures. Bon, là c'est vrai qu'avec le retard, c'était short. Ok, donc il fait le placement de chaque côté. C'est bien, comme ça, s'il y a un gros débile, il y a un jour. Tu seras soit libre, soit blessé par un gob. Ouais, genre celui avec le petit ustensile qui coupe aux mains. Bah, il est vicieux, donc à mon avis, il est plutôt là pour s'attaquer lâchement à ceux qui sont au sommet. Alors, on rappelle, alors je sais pas pourquoi on commente, parce qu'on est deux plus Josh, que c'est un match pour du beurre. Bah, c'est pour les gens qui vont mater la rediffusion, ça. Ah parce oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y aura beaucoup. Ah oui, depuis que j'ai commenté un match avec Ike, il a eu 1200 vues.
t'es connu, t'es une star maintenant. Ah ouais. Bah on m'a pas écrit, hein. J'ai pas reçu d'argent, tout ça, rien. Les sponsors non plus. Demande à Ikit. Hein. Ah c'est peut-être ça que je dois faire. Dis-lui de penser à ça. Je vois que Cortac se lève, il quitte son bureau, je pense que c'est déjà le rage quit. Ah il a perdu le toss. Ouais. Moi je comprends. Hein. Bah ouais, l'attaque gobelin. Alors faire quand tu regardes son fond d'écran là, on dirait vraiment, bon il y a un chat qui passe mais bon, ça on n'en parle pas, mais on dirait vraiment qu'il a repeint l'arrière de son appartement avec griffes. C'est pas faux. Ah les chats, c'est quand même des créatures formidables. Bon là il nous montre avec sa souris que son adversaire avait laissé son bombardier sur le côté, ce qui est plutôt normal, hein, c'est un joueur défensif. Josh, on a parlé vite fait de ta chatte hier, on a dit qu'on en parlait plus. On a décidé que t'avais juste bien joué. Et que maintenant, quelle que soit la compétition, tu devais jouer Alphly. Alors déjà, en Winter of Stars, je peux te dire qu'il joue pas Alphly là. Ouais, mais ça c'est... Oh putain, j'ai toujours pas fait mon équipe. Ouais, bah c'est... en fait, on lance l'inscription en jeu le 15. Donc à la limite... Ouais, bon, dans la semaine. Il nous en manque combien là? Il nous manque Vidorm, Colt, The... Mais 1-1, on s'est envoyé quelques messages, voir un peu ce qu'on jouait. 1-1, il est validé sur l'équipe. Ouais, et il a même fait du rabais pour que j'ai plus de sous. Oui. Ou notre collègue que je ne connais pas, mais qui est l'ancien président de son club de jeux de plateau. D'accord. Ouais. Bon après, t'as pas... Et 1-1, il a pas l'équipe la moins chère du Winter of Stars. Je dirais pas qui c'est, mais... Il y a quelqu'un qui joue Blood Vaser. Mais moi j'hésite fortement à jouer Macpoutre ou le roi. Oui, bah oui. Mais le roi, ses copains sur le terrain, c'est pas ceux que j'aime. Ah oui, le roi, il peut... c'est un scav... Oh, il doit pouvoir jouer avec pas mal d'équipes quand même. Bon, ça poutre quand même un petit peu. Ouais, ça poutre un peu, mais sonner, c'est ok. Il a fait deux gros débiles quand même. Il regarde déjà le chemin que Griff pourrait emprunter pour aller chercher la balle. Il sait que les gobelins mettent des zones de tacle ou pas? Bah là, pour l'instant, il y avait un trou. Bon, il n'y a plus, mais il y avait un trou. Il va pas pouvoir agresser vraiment là, il exposerait sa tronçon. Bof, il peut agresser un des humains à côté de Bolgrot. Ouais, mais il se fait blitzer, je pense qu'il fait ça. Ouais, il préfère rester derrière. Un bâton 4 agi, hein, quand même. Ouais, c'est fort. Hein. Est-ce que tu as aperçu l'arnaque Wallesque? Ben non, mais j'ai rien pu suivre en fait la semaine dernière. Je sais pas trop. Mais j'ai vu le début, d'arnaque. J'ai vu la fin. Au début, ça puait du cul. Au bout de 3 tours, je suis parti. Et puis à la fin, j'arrive, il restait 2 tours et Wall, il a tout arnaqué. Genre à 3 gobelins sur le terrain, et il lui met un TD en partant de 5 cases de son propre but. D'accord. Ouais, j'ai vu que Turtle s'était fait défoncer. Ah oui, non, juste un peu. Par contre, oui, 4 morts, 3 blessés. C'est un peu du gâchis, son noir. Sournois, sur quoi? Bah, sur un gobble. Enfin, il me semble que c'est un sournois. Hein. Oh, mais toi, t'es. Moi, je regarde pas l'équipe Goblin. Hein. Tu regardes que Griff, toi. Je regarde que Griff. Je regarde l'étoile tourner là. Je ne vois que ça. Je crois que le ouais voilà. Je crois que le blitz va avec le tackler. Oh. Oh là, ouais, je prendrai un crâne par dépit. Ça se relance là. Ah il a que 2 relances hein, Cortac là.
Je disais hier soir que j'avais vu dans la semaine un roster humain avec griffes mais sans ogre. Du coup, t'avais des receveurs. Mmh. Et je trouvais ça pas mal. Oui. C'est pas mal, bah tu joues quasiment à l'elfe avec des humains en fait. Ouais. Après, si tu fais les mêmes esquives que moi contre Ike, ça sert à rien. Oui, bah... Après, humain, je connais pas assez comme roster, mais je crois que Morgloff, il avait joué ça comme roster. Humain... Ah non, il a joué son griffe, lui. Donc, Mais encore une fois, je n'adore pas griffe, il coûte la peau du cul. Il pénalise les squads aussi parce que t'as un point de champion. Et En fait, moi je l'aime bien, mais en breto. Parce que oui. Ça te fait un bloodger en plus et ils en ont déjà facilement deux. Donc ça fait vraiment le roster blood. Quoi. Mais en fait, la grande force des humains, c'est le lanceur avec deux comps, les receveurs avec deux comps. C'est des compétences qui sont gratos. Oui, puis c'est une équipe de course quoi. Et t'as plein de comps, tu peux mettre des gardes sur les blitzers. Ouais, mais en mettant griffe, t'enlèves tes compétences gratos de l'équipe. Ouais. Un roster qui est pas si mal quand t'as du genre du 1100 ou un truc comme ça, que t'arrives à le mettre, c'est deux lanceurs. Parce qu'en fait, ton 3 quarts passe de 50k à 70k, 70 pardon, excuse-moi. Mais il a deux compétences pour 10 000 balles chacune, dextérité et passe. Mmh. Et en fait, ton lanceur, quand t'es en défense, souvent t'en as pas besoin. Ça peut devenir un 3 quarts. Bah, les elfes pro, ils jouent un peu comme ça aussi, le lanceur d'ailleurs. Le problème, c'est que, en fait, les humains, ils sont avantagés dès le moment où les rosters adverses ont pas la possibilité de mettre beaucoup de compétences, ou alors peuvent pas les stacker. Mais c'est vrai qu'en CDV, il y a quand même pas mal de rosters qui peuvent avoir pas mal de comptes, donc ça dépend un peu ce que tu rencontres. Ouais, mais comme ta garde en simple sur des blitzers avec 7 de mouvement. Ouais, c'est fort, mais c'est très fort en résumé. Hein. Voilà, faut bien gérer la draft quand même, quoi, parce que t'as facile les rosters qui sont avantagés. Alors, mais moi, je disais hier, hein, j'ai eu. Bon, je finis 2-2-2. Il y a clairement un match où c'est de ma faute contre les Nordiques, le premier. Mes deux défaites, celle contre Ike, celle contre Fanjo, je pouvais pas faire grand chose. Au niveau de la draft, il n'y a que un match, je pense un, peut-être deux, où mon tacleur a pu tacler un truc. Tu vois, les autres matchs, c'était un blitzer sans comp. Ouais, c'est un peu le problème de construire des rosters pour pouvoir tout affronter, c'est que... Ouais. Mais là, il y a un décompte sur le troll. Hein. Yo Wall. On disait que t'avais un tout petit peu arnaqué le match hier. Juste un peu. Aggro, ouais. Pas à la tronçon du coup. Là, il pourrait se positionner pour faire son aggro à la tronçon. Bon, après, c'est un 3 quarts. Hein. Mais dès que je referai mon équipe après la CDV, avec en connaissant les drafts et les résultats, je mettrai des gardes partout. Ah, bah oui, je garderai un tacleur au cas où, mais la châtaigne par exemple, je mettrai garde à la place. Ouais, c'est vrai que en fait, châtaigne. T'es souvent un peu déçu, je trouve, en résumé. Mais alors, ça dépend ce que tu joues aussi. Wall qui dit non, mais pas du tout. Bon, il a bien le droit d'arnaquer un match de temps en temps avec des gobelins, quand même. Une fois sur deux, quoi. Ah, ça, le surdoin qui se fait sonner. Double 5. Ah oui, mais il passe l'armure, ouais. C'est vrai que c'est encore l'herbe 6. Ah oui, sournois, l'herbe 6, c'est pourri. Ah, qu'est-ce que c'est de merde. Bon. Eh bien, ouais, là... Vraiment, tu sais pas quoi mettre, mais quand même, glissade contrôlée, c'est mieux. Oui, glissade contrôlée, c'est quand même vachement bien sur un gob. Après, je suppose qu'il y a des arguments pour réception, ou même pour tacle plongeant. Ou voire équilibre, mais bon, c'est déjà assez rapide un gob. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le 2 décompte est tentant sur le troll, quand même. Hein. C'est bol grotte, hein, je te rappelle. Ah oui, il y a non, sur le troll à gauche, là. Ouais. Il va peut-être pas le prendre, parce que ça reste un décompte, mais avec lui... Corta qui colle tout, là, quand même. Ah, c'est peut-être Grave qui va faire un truc. Ouais. Bah, vu comme il a entouré bol grotte, on dirait. Moi, je crois qu'il va blitzer à l'ogre. Franchement, vu le bordel, moi, c'est ce que je ferais.
Il a placé ses gardes pour. Hein. Il va blitzer Bolgrot. Ouais, mais... Moi, je serais hyper tenté. Oui, oui. Puis, par contre, il peut pas vraiment l'agresser derrière. Mais là, le 2 des cons. Bah, là... t'agresses pas trop avec un roster comme ça. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Il a qu'un seul remplaçant. Ah, bah, ça aussi, j'ai fait contre Ike. Au moment, j'ai fait une aggro. Et... Et je suis allé à la buvette. Voilà. Ah, mais cerf-volant. Relance. Aïe, relance. Ouais, il peut pas relancer. Là. Non, tour 2, il peut pas. Non. Ouais. Ouais, après, il aura une deuxième chance. Bah, le tour il d'après. Peut faire quand même le 2 décompte là. Il y a peu de chance de turnover. Il est traumatisé avec le fait que je lui ai dit qu'il fallait plus esquiver avec les humains. Ouais, après, il est dans le chemin, c'est pas mal. Oui, puis le terrain a pas eu châtaigne, tu vois. On remarque que Griff a toujours pas bougé de sa case de départ. Hein. Oui, mais il se repose. Il s'est retourné vers le public. Hein. Ce que je reproche à ce roster, en fait, c'est que t'as 320 000 balles qui bougent pas. Qui jouent pas. Ouais, c'est assez compliqué. Après, je pense que les gens qui jouent bien Griff, ils arrivent à l'exploiter vraiment, mais... Alors, mais comment il va penser là? Parce que mine de rien, Bolgrot il peut taper qu'une fois. Hein. Partout? Partout. Hein. Alors, quand je le joue, il peut taper qu'une fois tout court, mais... Par contre, l'ogre, il peut blitzer qu'une fois par tour, il peut faire un à tous les tours. Hein. Ah, c'est Serge qui m'a buté Bolgrot, premier blocage. Blocage de Bolgrot en plus. Hein. Enfin bon, bah c'est oui. Serge, hein, c'est normal. C'est Serge. Ah, un petit 2D là, ouais. Alors, je trouve que Kortak est bien en place là, parce que je vois pas ce que va faire le gob. Bah, je trouve que le gob il s'est peut-être un peu trop coincé dans un coin en choisissant son côté là. Mais il a. Ouais. Il y a le côté et puis il y a le troll derrière là. Il faut qu'il joue lui. Hein. Bah, il va blitzer avec, je pense. Ouais. Et il fait un parking tout seul en fait. Ouais, encore un gros début. Ouais, il va pas blitzer avec. Les... Ouais, bah si, si, les big guys sont pas du tout motivés. Hein. Dimanche soir, 20h22, ouais. Tout ça, enfin, on joue pas. Alors là, il y a du push-push en folie pour le moment à faire. Là. Bah, on en revient au plan de base, hein. Faut blitzer à l'ogre. Bah, il est même pas obligé là. Hein. Là, le gob, s'il sort pas, garde, il va y avoir un strike, mais. C'est un poutré. Hein. Ouais, il faut calculer un peu avec ses gobs. Face au moins une ligne, quoi. Voilà, c'est Jash. Bravo, Jash. Je dis bravo parce que je sais qu'il a gagné quelque chose encore. Moi? Non, t'as pas gagné quelque chose avec des alphelins? Non, c'est le match ce soir. Ah, c'est ce soir. Non, mais oui, avec mes alphelins, j'ai... Bon, je suis content. Pas gagné hein. Plus. Voilà, enfin... J'ai quand même une défaite sur la CDV. Hein. Une défaite un match nul. Hein. Ah, ça devait être les dés, ça. La défaite, c'est surtout des bah, à partir du moment où les dés sont pas totalement pour lui, c'est forcément les dés quand il perd. Écoute, j'ai voulu faire le bilan pour savoir à quel point j'avais chaté. Pour l'instant, j'ai juste calculé le nombre de TD que j'ai pris. J'en ai pris 2 sur toute la CDV. Voilà, par contre, sur 6 matchs. Et combien de sorties t'as fait? Je vais regarder ça. Je me demande si j'ai pas fait plus de sorties que j'en ai pris. Oh, mais il y a des chances. Ah, bah, c'est un peu un roster de bâche, hein, les Alphelins. Ah bah. T'as 3 châtaignes de base. Ouais. Ah mais moi, début, j'ai toute la méta a été. S'est mélangée dans ma tête quand je voyais Jajou. Au début, c'était Puggy hein, qui faisait les sorties. Hein. C'est vrai. Oh, putain, le flic, c'est super fort, tout ça. Quand tu vois Jajou jouer, tout passe. Mais en fait, pile poil avait raison. Hein. Mm-hmm. C'est juste que c'était le Messi, quoi. On oui, pas mais c'était un précurseur. Ouais. Tu vois, il a prêché. Mais on n'était pas prêt à croire. Ben, ouais. Faut le rappeler. J'ai plus son numéro. Hein. Moi, je peux pas faire tout la même semaine. Hein. J'ai fait un match en vocal avec Ike. Ah, la fois. Personne l'a fait ça ici, hein. Si, bah si, je l'ai fait en Belgienne même. Ouais, y a pas de preuve. Ah, tronçonneuse qui fait 1. Bon, par quoi, mais c'est une relance. KO. Ah, casse-couille, il est KO. On a fait l'apéro, donc il est KO. Et... Oh,
Ouais, il peut blitzer à l'ogre pour avoir le bouche-bouche sur Bolgrot. Hein, dommage qu'on puisse pas faire une prédiction pour savoir combien de tours Griff va mettre à bouger d'une case. Alors j'ai pris quand même 15 sorties. Ah. Mais j'en ai mis 17. Ah ben voilà. En alpha quoi. En 6 matchs alors. En 6 matchs. C'est pas mal quand même. Ah c'est pas mal ouais. Ouais, moi j'ai dû faire je pense 22 sorties sur la CDV. Oh, c'est ouf en fait. Je suis en train de me dire qu'on équipe d'ogre sur Fumble, elle est nulle. J'ai fait 21 sorties en 11 matchs. Ouais, mais t'avais pas mon truc là, tu vois, le premier bloc, quand j'avais le toss, j'attaque, mon premier bloc, ça faisait un bloc. Ouais. J'ai eu 3 fois sur 6. Le problème, c'est que les 3 autres fois, j'ai pas eu le toss. Ah bah c'est ça le problème, ouais. Oh, mais je l'avais dit, ça, je l'ai dit sur la vidéo de Hike. Oh, oh, ici, il j'ai va le toss, cliquer sur Griff. Il va cliquer sur Griff. Ah, non, surtout pas. Faut moins qu'il passe la moitié de l'habitant à rien foutre. Là, il dit bonjour, là. Il salue, tout ça. Ceux qui vont mourir te saluent. Allez. Ouais, j'ai l'impression qu'il va pas tenter le. Il y a un sacré push pour mettre un, ouais. Mais un 3 quarts sur la balle. Hein. Il va pas le tenter, j'ai l'impression. Ouais. Faut y aller à l'ogre. Hein. Ouais, alors après, faut blitzer. Bah, après, il y a 2 gardes qui sont collés. 3. Ah, 6 blitz avec griffe. 4, 5, 6, 7. On peut aussi blitzer avec griffe. Et du coup, j'ai mis 7 TD pour 2 prix. Moi, je blitz à l'ogre, je push le 3 quarts, t'as 2 dés sur la balle. Ouais, ouais. Alors attention, parce qu'il y a un gobelin derrière le troll, donc il faut aussi neutraliser celui-là. Alors, il prend pas le push. Non, Griff a joué avant le tour 5. Ah, il prend le pot par contre, hein. Il prend le pot. Il sait bien prendre le pot. Bien vu, c'est bien. Ok, voilà, après il peut taper le troll sur le gob. Ah, Griff va se cacher. Alors, c'est un peu loin, je trouve. C'est oui, un oui, peu oui. Loin. C'est bien qu'il l'ait laissé au centre. Mais oublie pas que dans la tête de Corta, Griff il a 10 en mouvement. C'est vrai. Sauf que sur le premier GF, il fait son double 1, et puis voilà. Il prend le minimum de risque en défense, ça s'entend aussi. Ah, c'est propre mais... ce qu'il fait, c'est propre. Oui. Et bon, mettre la pression, ça pourrait être rigolo. Quoi. Salut Burpa. On voit que t'es venu à Bruxelles toi aujourd'hui, hein. Tu parles de pression, tout ça. C'est possible là, je pense. Hein. Ouais. Ah, j'ai bu 2 fois de la bière aujourd'hui. C'est fou, hein. J'ai fait des excès. Ah, le petit surf là, donne envie. Hein. Bon, il y a 3 décombres, mais. Je sais pas, moi j'aurais collé le garde. Ah, remarque, non, il y a la tronçon. Ouais. Alors, ça, par contre, déporter le tacleur tout à gauche, je le ferai pas. Non. Il a déporté son tacleur? Non, pas encore, mais il a cliqué dessus et. Oui, il faut pas le faire là, il y a quand même un troll de l'autre côté. Bah, après, il sait qu'il y a griffe. Ah, il va protéger griffe. Donc ça, je le ferai pas non plus. Ah, Griff, j'ai pas encore essayé le but avec. Ah, il veut juste se mettre hors de portée du blitz. Non, du pas troll. De case. Non, en fait, il a trop peur. Il a trop peur du saut du bâton. Mais je pense que c'est excessif. Là. Après, regardez le mouvement du troll. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a même. Bâton, hein. Non, mais t'inquiète, qui le bâton a 4 agis, hein, donc il saute sur 2 plus. Hein. Oui, bah de toute façon, le bâton dès qu'il sera à portée scorée, voilà quoi. Besoin de bouger. Oui, mais je crois qu'il a quand même pas envie de se, parce que Griff a pas tacle, il a pas envie de se prendre une diagonale du ouais. Bâton et de se retrouver comme une andouille. Ah, le push. Il a pas tort en fait hein, au final. Okay. Donc là il s'ouvre le centre. Il va faire une diago avec le bâton. Ouais, ou il va juste se recentrer tranquille, je pense. Là le troll peut pas aller coller le tacleur. Il est un peu loin même. Ouais, il a 2 GFI. Il s'est c'est mis justement à distance. Avec 4 de mouvement aussi. Faut faire des efforts. Non, le... ouais, faut utiliser les GFI. Hein. Oui. Moi, avec mes arbres, dernier match, j'ai conseillé qu'ils avaient 4 de mouvement. Hein. Bah oui. Mais t'es pas le premier coach Alphelin qui dit ça. Je crois que Chou, il a un peu la même. Mais Ferricone aussi. Enfin, finalement, les bons coachs Alphelin,
Ils se disent que les relances, ça sert à relancer les GV. Mais le bon coach ou le mauvais coach, c'est ce... enfin le bon coach, il chatte. Bah oui, non, mais avec le mauvais coach, il chatte, mais il est mauvais, quoi. En même temps, c'était un chef cuistot pour piquer des relances et pour les utiliser. Hein. Oui, ben. Bah... Oh, puis Jachis sera aux anges quand il pourra jouer le bouquetin alphelin là, sur Blood Bowl 3. Oh là là. Non, mais tu sais qu'on le redisait hier, je dis le pire de tout, c'est que tu t'es envoyé au casse-pipe, à la zob, à toutes les rondes. Bon, je me mets en premier, hein, on verra bien. Hein. Et t'as ramené c'est vrai que c'est ça le pire. Et après, tu réfléchissais sur le reste de l'équipe, et le reste de l'équipe ne ramenait pas de win. On va envoyer tout le monde à la zob. Oh, la belle esquive ratée. Ok, bon après c'était le move à faire parce que si rate l'autre esquive, il a le 3 quarts humain qui pouvait venir lui mettre 2 dés sur la balle. Mais c'est qui l'équipe? C'est chez Jacques qui lance un dé pour la draft. Franchement, bah, ça fait gagner du temps. Hein. Il y en a beaucoup qui le disent. Il y a... ouais, alors je sais disent. Que les... Ouais, les petits rigolos le font. Bon, en même temps, eux, là, c'est que les équipes minus. Hein. Mais qu'est-ce que tu gagnes comme temps sur une ronde, quoi? Enfin, tu lances 5 dés et tu t'économises 4h30 de discussion pour quand même envoyer le gobelin sur les nains parce qu'il n'y avait pas le choix. Tout ça. 7, 8, 9, 10. Ah, si Griff avait 10 de mouvement, il pourrait aller chercher la balle. Parce que tu vois, dans notre escouade, au final, on a quand même toujours envoyé Braza et Miop au milieu. Oui. Et Wall, il a quand même râlé à toutes les rondes parce qu'il voulait pas jouer contre celui-là, 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 celui-là. Ouais, je sais pas s'il râlait. Franchement, il râlait pas. Pas si, 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 il a râlé. Pas à toutes les rondes. Pas si, il a râlé, mais pas à toutes les rondes. Moi, je peux pas jouer contre les nains parce que je suis gobelin. Tu vois, oui, j'arrive alors, pas. Donc, on l'a protégé à toutes les rondes. Bah, pff, ouais. Alors que quand on le protège pas et qu'on l'envoie contre des Khemri, il arnaque le match. Oui, mais lui, il veut jouer contre des Khemri, justement. Ouais, le gobelin Khemri, c'est... Oui, c'est pas le pire. Hein. Franchement, les Khemri, c'est vrai que ça aime pas du tout les minus. Ah, ça y est, la révélation. C'est Griff. Là, il a foiré le pass-fading, là. Non. Il passe dans des zones de tacle. Non, non, il passe dans des zones de tacle, je le vois. Ah, il y a un 1. Voilà, tu vois qu'il foire. Il fait des esquives. En nombre, voilà. Le 1. Je l'ai dit. Et Griff. Putain, il est pas mort. Il y a du progrès. Qu'est-ce que tu fous, Griff? Il a du progrès, il est pas mort. Très bien. C'est... Bah, sinon, il avait le blitz à 2D avec un 3+ seulement. Hein. Avec un 3 quarts. C'est vrai, mais il a pas blocage en 3 quarts. C'est vrai, mais bon, ça lui gardait une défense solide. Non, on sent le cortac détendu là. Ah bah, je sais pas pourquoi il a laissé son garde tout à gauche, il a pu le replacer avant, non? Bah, je sais pas, peut-être pour éviter que la transe revienne par derrière. Ouais, enfin là, faut éviter le TD, quoi. Moi, j'ai dit que c'est un problème de pass-finding. Bah, il est à portée, là, le bâton pour scorer. Attends, il a... Bon, je pense pas, non. Je crois pas. C'est pas scrapa, ouais, donc il a pas sprint équilibré. Le ouais. TD est pas mis. C'est vrai. Non, mais encore une fois, Griff... Et la console est trop loin pour agresser. C'est vrai qu'il n'y a personne vraiment bien pour agresser. Tiens, il doit faire 2 esquives, il en rate 2 sur 3. Il est boulé, quoi. Bah, déjà, il est pas mort, hein. C'est déjà du progrès. L'année prochaine, il faut appeler les squads les griffes d'amour. Hein. Les griffes d'amour, ouais, complètement. Bah, si Griff est autorisé, hein. C'est pas dit. Peut-être qu'on devra tous jouer Breto. Aïe. C'est vrai. Il y a peu de chance qu'il y ait. Bah, déjà, si ça se joue sur BB3, ça va changer la donne. Non, mais je pensais si c'est Noven qui gagne. Ah oui, si c'est Noven qui gagne et qu'on joue sur BB3, on va tous jouer cette équipe pourrie, la noblesse avec les plumes. Ouais, et ils ont pas les plumes dans le cul, hein. Ils ont les plumes sur la tête. Hein. T'as vérifié? À voir, enfin, j'ai pas approfondi vraiment. J'étais... Après, j'ai peint plein de fois l'équipe. Hein, mais... De ce que j'ai vu, la noblesse impériale, c'est pas évident à jouer. Hein. Ah, c'est un peu de la merde, hein, faut le dire, je pense. Ouais, bah, bon. En fait, le truc, c'est que des gens qui achètent le jeu de base avec noblesse impériale et orc,
En fait, le match-up, il est pas équilibré. Black Orc. Black Orc. Bah, ouais. Après, Orc Noir, c'est tellement lent que même avec la noblesse impériale, tu peux jouer le nul, en fait. Ouais, mais tu vois, pour des... Je trouve que c'est pas bon pour... Par exemple, des gens qui voudraient débuter, qui s'achètent le jeu de base, en fait, t'en as un qui doit bien jouer, alors que l'Orc, il peut juste taper. Ouais. Bah, oui, ouais, après, c'est vrai, tu sais, quand ils mettaient orcs et humains dans la boîte de base, c'est pour ça que les orcs et les humains ont cette réputation d'équipe un peu chiante. Mais c'est moi, c'est mes équipes préférées, quasi. Les deux. Oui, mais ça faisait... au moins, c'est vrai que ça faisait un match-up équilibré. Ouais. Par contre, moi, ce que je regrette, c'est qu'on m'ait fait peindre cette boîte. Au moins trois fois. j'ai peint plein de nobles impériaux que personne va jamais jouer. C'est vrai que personne joue ça. Hein. Bah, Chasse-Po, il jouera. Hein. Ouais, mais j'ai pas peint de nobles impériaux pour Chasse-Po. Tu vas en tournoi, t'as une équipe de nobles impériaux peintes. Est-ce que tu les prends? Franchement. Mais ouais, oui. De toute façon, quand tu regardes les stats 9, c'est un échec commercial cette équipe. Hein. Personne ne veut la jouer. Hein. Mais c'était Aegir qui avait bien résumé le truc. Ils sont super forts quand ils collent et quand ils défendent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'armure pour coller. Oui, bah c'est ça, oui. Et qu'ils ont plus un trèpe. Qui encaisse bien les coups, sauf quand elle les encaisse pas, quoi. Ouais. C'est vrai que l'intrape en moins, ça fait que t'as pas d'armes. C'est surtout les deux blitzers dégagés de l'équipe, quoi. Il y en a plus que deux. Hein. Bah, le truc aussi, c'est que les comment ils s'appellent déjà, les gardes du corps là. Ouais. En fait, c'est bien de commencer avec stabilité, mais ça fait qu'ils sont plus chers. Et comme ils sont quand même armure 8, bah, dès qu'ils meurent pour les racheter, bah, pas de chance, quoi. Même dans Blood Bowl 2020 où tu gagnes beaucoup de sous, c'est chaud. Alors je suis pas sûr que tu gagnes beaucoup plus de sous dans 2020, mais tu es plus stable. Ah, t'en gagnes quand même plus parce que je me retrouve très souvent à vendre des joueurs que... Parce que t'es plus stable et tu gagnes tout le temps beaucoup. Oui. Enfin tout le temps, tu gagnes tout le temps 40 000 on va dire, de moyenne. Ouais. Après, c'est vrai que ça dépend de ton build aussi. Moi, je mets souvent des fans dévoués dès la construction d'équipe parce que bah, ça fait 10k en gros par fan, je crois, un truc comme ça, de gain. Donc, bah, tu mets 3 fans, t'es sûr d'avoir minimum 40k. Ouais, mais à Blood Bowl 2, tu gagnes le match, tu viens, t'as 20 000. Ah voilà, oui, bah, bien ça. Après, il faut pas qu'on parle trop de Blood Bowl 3. Le 23 février, si ça se trouve, c'est un jour qui n'existe pas. Bon bah il met des buffs, à tous les bien. Coups ça va être un férié tout ça fin... Ou alors ils vont sortir que si t'as pas préco le premier jour tu l'as pas le 23. Alors est-ce ça qu'il reste... poursuivre. Je pense que poursuivre il peut là. Ouais remarque oui c'est. c'est bien. Bon ça régène. Parce que là le push-push il est pas facile quand même pour... Oui il est pas facile, non mais c'était par rapport au saut. Ah. Mais y a rien pour le protéger derrière et vu qu'il est pas à distance de TD, ouais. C'est bon. Ouais hein, parce que tu penses que le gob il va pas tenter un truc à la zob et sauter et on verra bien. C'est chaud quand même. En fait s'il était une case derrière, ça lui bloquait bien le saut quoi. Mais il peut pas aller de l'avant en fait. Oui, bah, après il peut essayer de faire une diagonale vers en bas à droite en protégeant en bord de terrain ou une cutterie comme ça, mais c'est chaud. Bah, je pense que le gob a plus de plan. Hein. Bah ouais. Je crois qu'il est parti pour pas taper avec son mage. Hein. Ouais. Après il y a taper au troll, faire une esquive avec Bolgroth, taper griffe. Mais là tu vois il peut pas s'en foutre du bâton. Oui. Il doit garder le tacleur derrière pour oui. Balayer. Mais ça je comprends pas qu'il ait pas mis en soutien le 3 quarts qui est sous le gob le mettre en soutien du de l'ogre. J'aurais tapé. Le gob a pas l'attaque la plus propre du monde hein. Loin de là. Et l'onaga. Les griffes, tu vois, ils sont tous pour griffes. Ouais. Ah, t'arrives bien, Nagra. Griffe a déjà raté son passe-fini. Et il est pas mort. Yeah.
En même temps, si on a choisi Griff dans la team, c'est pas pour le jeu, c'est pour l'audience. Hein. C'est pour faire l'audience et tout. Pour les clips. Mais alors, dans les phases de test de la noblesse impériale, ils avaient rajouté une star qui avait de base l'idole des foules et une règle spéciale de gain de pognon en fonction des fans, tout ça, justement. Bon, ils l'ont retiré. D'ailleurs, dans la phase de test, tous les. Les nobles impériaux, même foules, ils sont mauvais. Oui, non, mais à la base, dans l'équipe de test, tous les gardes du corps, ils avaient garde aussi. Ouais, ça, c'est un peu abusé. Lutte, stabilité, garde. Et ils pouvaient prendre deux ogres aussi. Ah oui. Ah oui, non, ah. C'était fumé. Non. Non, mais après ils sont passés de tout à rien. Hein, parce que quand tu fais des phases de test, t'aimes bien, en fait, c'est bien d'aller vers les extrêmes d'abord pour voir vraiment c'est quoi les problèmes. Après, par contre, les Black Orcs, c'est une très belle équipe. Oui, moi j'aime beaucoup. Ouais, mais très agréable. Elle n'a pas été testée par Games Workshop. Elle vient quasiment directement de Fumble. Mais on en parlait hier. En fait, t'étais pas là, Alien. Mais moi, je suis curieux de voir parce que maintenant, on va tester. Donc, toi, t'es bien au fait des stats de la NAF. Mais qu'en est-il des évolutions de compétences sur du 100 matchs? Du 100 match, bah, comme certains le font en CCL, parce que là, si Yannid ils nous vendent le bout de passe là où il faut farmer du style 4 heures par semaine, donc c'est 3-4 matchs par semaine. Si tu te retrouves à jouer en CCL, c'est 4 heures tu te retrouves en CCL avec des joueurs comme ils sont maintenant, donc qui te font 100 matchs par saison. Il y en a, hein. Le truc, c'est que Blood Bowl 2020, il est quand même vachement équilibré pour faire une quinzaine de matchs avec une équipe. Oui. Et mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, depuis le début, depuis que j'ai lu les règles quand elles sont sorties en plateau, je dis ça en jeu vidéo, avec le farming de points et puis le fait que tu puisses choisir ce que tu dépenses ou pas, sur le jeu vidéo, avec le nombre de matchs, ça marchera jamais. Alors, en fait, sur Fumble, ils n'ont pas encore le redraft, donc justement, pour le moment, les gens peuvent faire autant de matchs qu'ils veulent, et ce qui se passe... c'est que tout le monde se fait un porteur de balle qui a plus de mouvement, plus de AGI, etc., etc. Donc en fait, tout le monde a son petit hackflan de poche. Et mais oui, c'est vrai que ça, c'est normalement des trucs... Mais là, tu vois, il part avec son bâton. Hein. Il contrôle le tackle. Ouais. Je sais pas comment il va contrôler le reste, par contre. Hein. Ouais, bah oui, je pense que le 2D, il se le prend dans tous les cas. Après, est-ce qu'il se prend un 2D ou un 3D avec Griff? Tu veux faire une esquive à Griff? Mais je crois que ça va être la cata. Pour la merci, force, toi. Pas besoin. Ah si, ça va être la catastrophe quand ils vont ouvrir les règles de Blood Bowl 2020 à Blood Bowl 3 au niveau des compétences. On l'avait déjà vu, Cascool le disait hier. Au bout de 20-25 matchs, t'as des gens qui ont fait 25 matchs dans la bêta. Les équipes, elles étaient imbuvables. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que c'est pas fait pour. Hein. Ah, c'est quand même un gros problème. Oui, ouais. Oui, bah, sans limite de nombre de matchs, sans redraft, tout ça, ça va être compliqué. Bon, bah, ça va être Griff qui va devoir s'y coller. Hein. Et là où je suis curieux de qu'est-ce qu'ils vont faire de la CCL, telle qu'elle est maintenant. Parce que maintenant, c'est déjà chiant à mourir. Mais alors, avec les nouvelles règles... Ça bouffe du gazon. Bon. Alors, il peut faire son petit blocage au tacle. Peut-être amener un soutien avec le 3 quarts. 4, 5, 6, 7... Ouais, non. Il y a du paquet. Et toi, c'est là où toi, il met bloc sur son ogre et il a pas frappé avec, en fait. Non, là tu bloques au tacle, tu griffes le porteur de balle. Ouais. Il y a moyen de coucher Bolgrot aussi, hein, et de ramener tout le paquet de gardes. Après, c'est pas forcément un prix. Voilà, oui, tu fais du pot en plus. Mais fait... il est un peu gâché ce pot. Mais non, c'est une sortie. Ah non. Tu veux. Je pense que tu veux bouger avec le. Enfin, les mecs sont collés à Bolgrot une fois que tu sais où est la balle. Moi, je bougerai le 3 quarts tout seul à droite, là, tout avant. Je suis d'accord. Ouais, mais. Ouais, tu le. En arrière, ouais. Peut-être. Ouais, je sais pas. Le truc, c'est que le saut, il peut le faire où il veut. Faut vraiment coucher le porteur.
À la limite, après, le coucher bol grotte, c'est fastoche là. Avec, mais coucher le 3 quarts, ça peut être bien. Coucher le coup là. Le 3 quarts, ça peut être bien de le garder au cas où il fait tomber la balle après. Bah, y'a le gobelin dans le chemin. Là, oui, tu ramènes les gardes. Tu ramènes le garde, comme ça c'est collé. Et tu ramènes ton 3 quarts derrière au cas où le porteur saute. Si tu bouges pas tout. Tu bouges pas tout en fonction d'où la balle va couler. Il faut en garde un. De toute façon, le 3 quarts en haut à gauche, là, il pourra pas faire grand chose, donc il peut le coller celui-là. Par contre, l'autre, ouais, c'est mal le garder, je pense quand même. Après, lui, c'est foutu de faire son pass-fighting pourri. Moi, je pense aussi qu'il faut... le double. Je pense qu'il faut garder les deux en fonction d'où va tomber la balle. Ouais, ah, pourquoi pas. Il est pas sûr de le coucher, il a pas de tacle, là, okay. Oui, mais après. Ouais, il y a bloc. Ah, il rate son pass-fighting. Ouf. Il ne fuit pas en peu griffe là. Bon, c'est un peu nul, ça se relance ça, je pense. Ouais. À tour 6, t'as deux relances, ouais. Ah, le problème c'est que je suis d'accord de pas le relancer. Par contre je suis pas d'accord avec le fait que le bâton puisse marquer. Donc oui, j'étais d'accord avec le fait que ça se relance. Relance offensive, ça te connaît. Ouais mais c'est un solitaire. Hein. Et bah après il y a deux relances pour trois tours. Écoute, alors je vois pas le problème de solitaire, moi j'ai fait un double crâne à mon dernier match avec Racine. Moi j'ai relancé. Hein. Ouais moi j'ai fait des esquives double 1, des esquives double 2, des blocages double flèche, enfin j'ai fait un tas de trucs. Je vais pas relancer tant de trucs que ça en fait. Bon là personnellement j'irai agresser les balles grottes, mais bon ça c'est. C'est vrai que c'est très personnel ça. Après, c'est de l'aide. Ouais, je pense qu'il faut coller pour pas qu'il puisse. Ouais, libérer avec le dé. Libérer et après du coup avancer sauter. Là du coup c'est chiant pour son saut. Mais ça c'est ouais. Bah, là il peut faire esquive de plus puissot. Hein. Oui. Plus... Oui c'est vrai que. Bah, il fait de toute façon il fait des esquives de plus tant que tant que l'esquive tique pas. Hein. Oui, bah sauf à côté du tacle, je pense qu'il mieux sauter direct. Ouais, mais est-ce que le pogo a des problèmes de pathfinding ou pas? Parce que griffe, c'est bon. On l'a vu. Donc nous vous présentons donc Artag, notre consultant en pathfinding. Griffe a fait 5 passages dans des zones de tacle, il en a raté 3. Ouais. Désolé. C'est plus que c'était griffe. Je crois qu'il va partir à la retraite à la fin de la CDV, hein. Bah, le nouveau griffe est pas meilleur. Hein. C'est quoi son pouvoir déjà? Tu l'as Il a une relance par match en plus. Ah oui, c'est ça. C'est une relance d'un seul dé sur ses jets à lui. Donc ouais. S'il fait un blocage à 2 dés par exemple, il peut relancer un dé sur les deux. Ouais, mais s'il fait un 1 sur un pathfinding, il peut le relancer. Non? Bah, il a déjà esquive en fait. Hop, oui, il peut aussi lancer ses 1. Ça a coupé 2 secondes chez moi. Voilà, ça pue le TD ça. Oui. Ouais. Oui, c'est mis. Bah sur ce, moi je vais vous laisser. Non, tu restes. Hein. Non, mais j'ai match à 21h. On s'en fout, tu restes. C'est un match c'est de ton quoi. Équipe, bordel. Belgian. Bon match. Ouais. En skitter, est-ce qu'il y a un message? Donc je suis contre Humbert. Non, Autopouze, pardon. Humbert, c'était la ronde d'avant. Je regarde quand même la tête de Cortac, il a l'air dépité. Ouais, bah c'est compréhensible. Il est encore plus décoiffé que tout à l'heure. Après, ouais, mais ça, c'est normal. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. C'est ça, il a ses deux tours pour scorer. Avec deux relances, bon, je pense que ça va en fait. Hein. Vilain, tu peux pas comprendre, t'as pas vu le début de match. Pathfinder, tout à fait. Mais tu vois, là, ça fait chier d'avoir une équipe humain sans lanceur pour mettre ton 2 tours. Et sans receveur. Le 2 tours en humain, c'est facile. Enfin, facile. On s'entend, hein.
Mais sans lanceur, sans receveur, avec juste Greif, c'est pas si fait. Hein. Ouais, Willerm, t'as un 4 d'agi, mais il peut pas être derrière et devant en même temps. En fait, pour le positionnement, il va avoir aucun problème. Après, c'est léger. Il faut utiliser des relances, tout ça. Et contrairement au loot de 2020, bah t'es limité à une relance par tour. Ouais. Tu peux pas faire comme moi et garder tes 3 relances pour le long terme. Il se téléporte. Il ramasse la balle, il se téléporte devant, puis il marque. Alors voilà, donc là il nous spoil le pouvoir spécial de l'équipe de Tsench qui arrive en mars. C'est pour vendre c'est des bières. C'est parce que t'as bu des bières que tu. Ceci dit, là, ils exagèrent. Hein, parce qu'ils ont pas. Ils nous sortent une extension à Dungeon Ball là, avec 3 plaquettes de donjons en plus et des équipes qui existent déjà. Mais elles sont où les équipes qui manquent? Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques semaines, ils avaient dit qu'il n'y aurait plus de news Blood Bowl du tout jusqu'à la fin de l'année. Finalement, ils ont fait un truc Dungeon Ball, mais bon, je pense que c'est du bonus du coup. Bah, un truc, ils ont pris 3 tuiles de Warhammer Quest, qu'ils ont mis dans une boîte. Ils ont pris des demi-grappes d'équipe mort-vivant, nécromantique, je sais plus ce qu'il y a dedans en fait. Ils l'ont mis dans la même boîte. Ils ont fait une boîte, du coup, avec un dessin, tout ça, et ils te vendent ça à 120 balles. Ouais, mais c'est un peu ça Dungeon Ball quand même. C'est de la récup. Certes! Mais jusqu'à présent, c'était une équipe de Blood Bowl tous les 3 mois. Donc il y a eu Khorne, il y a eu North. Cette année, il y a eu Khorne, il y a eu North, il y a eu Amazon. Je pense qu'ils sont passés à 4 mois du coup. Mais il y a eu des trucs quoi. Là, il nous manque toujours les vampires, les elfes, les. Nadus qui vont les faire en dernier. S'ils les font. Oh, c'est peut-être une équipe qui vont rethématiser un peu ça, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils font comme figue sur Age of Sigmar en fait. En mais il y en a pas. Les Nadus qui ont disparu du lore. Oui, bah oui, non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Parce qu'il y a les espèces de nains enflammés là. Peut-être qu'ils pourraient récupérer ça, je sais pas. Non, je pense que c'est les Elves qui vont sortir les prochains. Ouais. Elves ou vampires, parce qu'il y a des trucs qui sont sortis sous AOS. Ils ont fait des figurines de vampires complètement dingues. Les elfes, c'est les luminettes, ils existent. Par contre, Nadu, il y a rien, que dalle. Donc ouais, ça, ouais, ils vont le traîner. C'est pas Fire Slayer ou un truc comme ça. Fire Slayer, c'est les nains. Ouais. Ils sont pas enflammés, c'est juste qu'il y a plein de tueurs. Et que maintenant, ils ont des dragons, des trucs comme ça. Dans les roster tests, il y avait une équipe de tueurs nains avec différents tueurs, ouais, dont géants, trolls. Non, là, ce sera la prochaine, ce sera vampire ou elf. Khemri, pareil. Ils ont du matos en mort-vivant, mais ça a disparu. Mais ils vont les ressortir quand ils vont ressortir. Donc maintenant, il existe un jeu qui s'appelle 9e Âge. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont décidé de ne pas tenir compte que Games Workshop a coulé le vieux monde et qu'on joue dans un autre monde après. Donc, ils continuent à jouer dans le vieux monde. Mais y a pas un truc officiel qu'on appelle aussi Old World, ils vont ressortir le vieux monde. Et quand ils vont ressortir le vieux monde, ben y a des armées, comme par exemple ce qu'ils ont sorti dans Warhammer Total War, KT, ça n'a jamais existé en figurine. Donc c'est l'équivalent des samouraïs humains, entre guillemets. Ben Khemri, ils ont disparu quand ils ont quitté ce monde-là. Donc là, ils peuvent revenir. Puisque on est toujours dans le vieux, on est nouveau dans le vieux monde. Nadukao peut revenir. Et là, il se réouvre la porte, et comme ils l'ont fait avec Warhammer, avec Total War, il se réouvre la porte complètement à tous les dieux du chaos. Et d'ailleurs, ils l'ont prévu, puisqu'ils ont mis marque de Khorne, marque de Zeng, marque de ci, marque de ça. Et quand tu regardes ce qu'ils ont sorti en chaos dans Warhammer Total War, ils ont sorti toutes les factions hyper détaillées quoi.
On est passé à deux doigts du drame avec Griff là. Hein. Un doigt. Mais... Ah, surtout qu'il y a un derrière là. Ouais, bah, sans doute le 1D. Par contre, je te garantis que... Oh, encore beau. Je te garantis qu'ils vont nous sortir... Ouais, je me suis dit, comme ça, si tu veux venir en vocal, il sera où je suis. T'es de retour ? Bah oui, bah... Cool. Mais ils vont nous sortir qu'ils se lèvent en figurine. Parce qu'ils les sortiront pour un doigt. Par contre, les 4-5 équipes qui restent sur Blood Bowl, ça va prendre 2 ans. Ils sortent combien d'équipes à la sortie en février ? 12. Ça, c'est Cyanide. Oui. Ouais. Mais ça, c'est commercial. Hein. C'est parce que leur business model, il est dévoilé. Hein. Ils vont pomper 10 balles par bout de passe à tout le monde. Bah pas à tout le monde je pense parce que t'en as plein qui vont juste farmer pour avoir gratos les équipes et qui s'en foutent un peu du reste. Ouais mais tu sais comment ça marche hein. T'as la possibilité de jouer beaucoup ou t'as la possibilité de juste faire clic et d'acheter. Et donc t'as des gens qui vont le faire. C'est comme les Scians. Gens qui ont acheté des Scians à boire les costumes quoi. Bah je pense. Des gens qui ont acheté des Scians. Bah je pense que ça a dû arriver. Sérieux? Pas nous mais. Ah, bah oui, quand même. Tant mieux, hein. Après, il y en a qui ont les moyens. Hein. Ouais, enfin, vu la facilité d'avoir des scions. Ah, bah. Ouais. Moi, je les ai pas. Mais c'était pareil, il fallait farmer. Il fallait jouer en fait. Fallait bah, fermer. Techniquement, tu peux faire une X solo, puis administrer les matchs. Et... oui, enfin, tu peux faire. Oui, non, famille, oui, sans les trucs pour les avoir gratos. Mais... Ouais. Et du coup. Les teams faudra forcément les acheter Non, tu peux aussi le débloquer gratuitement. Alors on a calculé, en gros il faudra jouer 4 heures par mois. Non, par semaine, 4 heures par semaine. Parce qu'en fait tu débloques de l'XP avec toutes les actions, y compris juste faire un blocage, t'as un peu d'XP du Blood Pass. Et à la fin du Blood Pass tu débloques l'équipe gratuitement. Il faut 1000 Warp Stone pour débloquer le Blood Pass. Ou alors ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que, quelle boulette ils font en vendant le pass de luxe, parce que tu te dis j'ai pas envie de le prendre, mais parce que c'est pas mis en avant que quand tu le prends t'as déjà un bout de pass. Ouais, faut que je regarde ça. Je pense que je vais essayer de fermer. Moi. Ben, on va tous le faire, hein. On va pas mettre 240 balles dans le jeu. Je pense qu'ils sont hyper généreux au début, quitte à réduire la voilure après. Ou... comme ça parce que mais rappelle-toi sur Blood Bowl 2 ils te sortent le jeu et ils ont sorti 4 équipes gratos. 4 ouais, il y avait Lézard et Sylvain qui ont popé, mais c'était 8 hein. Il y avait 8 équipes, Lézard et Sylvain ont popé direct et puis je crois qu'ils ont surenchéri en disant ceux qui avaient le jeu vous avez 4 équipes donc c'était 6 équipes gratuites. Il y avait les morts vivants, les nécros qui sont arrivés juste après et puis il a fallu attendre 3 plombs pour avoir la légendary et le reste. Bah, ils ont changé 3 fois de business model, faut dire, hein, sur Blood Bowl 2. À la base, ils voulaient faire un shop en ligne aussi, avec les Scians, justement. Mais juste avant la sortie, ils ont essayé de pas le faire. Après, ils ont dit, on va vendre les équipes individuellement, mais ça a pas marché. Et, je vois Autopus en Walibi. Et puis finalement, ils ont dit, bon, on va faire une extension. Je vais aller le voir, alors. Okay, mais 8 euros l'équipe, c'est trop cher. Bah oui. Oui, puis en fait, c'est même pas ça, le truc qui faisait que ça marchait pas. C'est que les gens ils veulent juste acheter les équipes qui sont plus fortes que les autres en fait, la majorité. Allez, à plus, je vais en plus, Josh. En fait, c'est pour ça que sur WoW par exemple, dès qu'il y a une extension qui sort, la classe qui est dedans elle est meilleure que les autres en fait. Ouais. Mais ils peuvent pas faire ça sur Blood Bowl forcément parce que les équipes, c'est pas eux qui les équilibrent. Quoi. Ou alors fallait sortir que les équipes minus à la sortie et puis. Mais après ici, moi je trouve qu'il y a un intérêt qui est différent, c'est que si tous les stades sortent, parce que tous les stades sont modélisés par Games Workshop, donc t'as le terrain qui existe, tous les dés, toute la customisation de chaque équipe, donc que tu peux changer les armures et les trucs, t'as quand même du matos. Oui.
Mais 10 balles d'équipe, ça me paraît quand même ambitieux. Ah, mais il a fait la passe 5 plus, la main des dieux. Ah, j'avais même pas vu qu'il avait mis la bombe. Ouais, bah ouais, mais il a chaté un peu quand même là. Hein. Le 5 plus là, d'accord, bon. Formidable. Ouais, je comprends qu'il ait qu'une seule défaite. Ah ouais, moi j'aurais. Oh putain, pourquoi est-ce qu'il colle? Oh ah ouais, okay. Ah oui, bon, oh, ça je l'avais pas vu venir. Sophie, désolé. Moi je sais pas si tu l'avais vu, mais moi je l'avais pas vu. Ouais, bah là. Voilà qui dit. Voilà. Et là, je regarde la tête de Kortak. Qu'est-ce qu'il est tout blanc. Esquive du tacle sur le bâton. Puis après, esquive du gardeux. Il y a le mec qui met. On a rigolé, non? Et Kortak qui fait un pouce. Ah ouais, oh, super, on rigole. Là, franchement, tu blitz avec le garde qui est tout en haut. Ah oui. Tu vas en zone d'embûche. Ah oui, tu le mets direct. En... Ouais, ouais. Bah oui, oui. Oui, c'est peut-être le mieux. C'est le moins pire. Limite, tu fais transmission aux trois quarts ou tu fais. Ouais, bah oui, c'est peut-être mieux. Hein. Bah, griffe à 4 agis hein, pour la passe, c'est quand même. Ouais, pas... mais il peut pas vraiment. Enfin, il peut relancer. Mais... Faut juste pas se foutre dans la zone après, de l'interception du bâton. Oui. Bah, c'est vrai aussi que il peut. Très bien aller à gauche hein, pour faire sa passe avec Griff. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Bah ouais. Faut juste éviter le bâton parce qu'il a plus 1 sur les interceptions que le traîneau aux jambes. Oui, oui. Ouais, oui. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il aille passer derrière le bâton quand même. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que t'as dit. Ouais, mais il y a que ça à faire. Oui, franchement. Bah, faut poutrer. Bon, voilà. Ça c'est bien. Ça lui permet d'aller un petit peu plus loin à gauche. Faut pas aller trop loin. Ouais. Ah. Il a raison, faut pas aller trop loin. Ouais. Il peut faire un trou. Bah, tu sais, Griff, il pouvait aller vers la gauche avec des esquives. Et bon, je sais bien que c'est un jeu de DG, mais. Mais c'est vrai que oui, il peut se faire un petit. Voilà, bon, tu poutres tacleur, ça mange pas de pain. Bah non, si tu te mets là, tu te bloques le passage. Ah oui, mais tu passes par où avec Griff maintenant si tu fais il ça. Va passer à droite, derrière le... mais il va se mettre dans la zone du bâton. Ah. Je pense pas qu'il ait en tête que le bâton a 4 agis plus le point de très longue jambe pour l'interception. Ou alors il tape avec le garde 2 à 3D en espérant libérer le passage. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Il veut peut-être gérer le 3 quarts et passer là avec Griff. Hein. Mais il y a une esquive. Passer au milieu. Bah ouais. Ah, ou alors il fait. Ah, bah ouais, s'il rate pas son pathfinding. Non, mais sinon il fait, il fait la passe au 3 quarts et transmission. Je sais pas. Il est trop loin. À 2 GFI. Ouais, ou l'inverse, hein. Transmission puis passe. Je sais pas. Il a un plan en tout cas. Bah, je pense que si Griff fait tous ses GFI. Ouais, il est pas mal. C'est mieux, hein. Mais. Ah putain, ça par contre, fallait pas rater. Qu'est-ce que... On suit, hein, suit. Ça sert à rien de rester. Il peut passer au même endroit, hein. Il suffit qu'il vire son 3 quarts. Voilà, donc il va faire la passe avec gauche. Bon, c'est ça qu'on veut voir maintenant. C'est les exploits de Griff. Voilà. Oui, alors, oh, va-t-il taper à l'ogre avant? Voilà. Ok. Il y va. Il a déclaré la passe. Ah oui. Est-ce qu'il y a pas du mec par terre? C'est 4 plus. 4 plus. Ah, c'est 3 plus. Plus. Ouais. Allez, c'est parti, Griff. Oh non, il fait. Bon, c'est con. Ah, il fait, hein. Utilise de relance d'un coup, ça marche. Oh, ça passe. Ah, oui. 6, double 6. 6. Mais oui, c'est beau. Ah, oh, c'est beau. On n'a jamais douté. Non, non, pas du tout. Oh, et c'est... Oui, bon, il a fait quelques jets. C'est Griff, c'est normal que ça passe. Il a fait quelques 1. Oui, voilà. Et il a quand même dû relancer, hein. Après, quand tu relances au solitaire, tu fais 6. Il était à la fin de son chrono aussi. Hein.
Oh là là. Oh, le troll ne revient. Oh, le troll qui reste KO. Salut Turtle. Cortac, c'est quand même un coach formidable. Il sait faire vibrer la foule. Regarde comme il zoom sur le troll en disant il est KO. Il est trop content. Qu'est-ce qui reste comme un secret chez le gob là? Juste le bomb, le bombardier, la tronçonneuse aussi. Quand t'as qui met, j'en ai jamais douté. Bah oui. Non. Je te quitte de quelques secondes, cher allié. D'accord. J'animerai donc ce chat tout seul, ce stream tout seul. C'est passé quoi? Ah, rien. Rien. Ça va, parfait. Se place pour le moment. Ortak a l'air de vouloir faire de la violence. Et si tu regardes son stream, il est encore plus décoiffé là. T'as l'impression qu'il joue vraiment sur le terrain. Il a combien de joueurs derrière là du coup? Il a juste griffe. Ouais, c'est un petit peu cavalier, mais. Moi, ce que j'aime pas, c'est que le gob peut quand même sauter ou passer à travers avec un blitz. Ouais. Après, il a pas laissé de troll derrière pour faire de lancer. Donc il a quand même une portée limitée. Mais ouais. Après, avec le chaos du troll, je vois pas le gob revenir. Mais bon. Non, j'ai vu un match hier soir où je voyais pas le gob gagner. Bah, là au mieux il arrive à faire une défense où il poutre un peu et voilà, mais ça va être chaud de contrer quand même. Après t'as toujours la bombe hein, qui peut faire de tout et n'importe quoi. Enfin, main de Dieu, faut vraiment du bol pour qu'elle tombe à des endroits intéressants. Surtout contre des humains qui jouent pas si paquet que ça. Là pour le coup le kick haut ça a été... Ça l'avantage pas trop. Ouais, bah il... Bon, il peut avancer un petit peu, mais ouais. Là, faut aller blitz le gob à droite. Hein. Ouais. Tac. Après, il a combien de soutien sur le... Voilà, 1, 2, 3... Là, avec l'ogre, il a assez sur Bolgrotte, mais imagine que l'ogre joue pas. Oui, mais c'est pour ça que je suis en train de demander... Bah tu blitz au tacle et tu fermes la porte. Oui. Faut faire un genre de double rideau en fait pour protéger la balle.
Voilà, ça touche. Ça utilise la compétence. Heureusement. Ah. Ça poutre. Ah. Oh Jésus! Fils de chaos. Oh pas Jésus. Reviendra-t-il? Oui, oui, il va revenir, mais bon, dans 3 semaines, hein, tout de même. Petit zone de tacle, pourquoi pas. Par contre, il est obligé de poutrer la losse. Hein. On a dit poutrer, c'est pas poutrer. Ouais, il peut mettre une garde sur les deux. En... Non, il l'a fait. C'est... Ouais, moi j'aurais suivi. Hein. Ouais, il y a des mauvaises langues qui diraient que c'est pour ça que toi tu perds tes matchs, mais bon, je ne serais pas de celle-là. Rigole. T'es le premier à faire ça. Non, parce que moi j'aurais tué le gobelin là. Comme j'ai acheté. Ouais, mais ceci dit, ça fait deux fois qu'il sort un troll. Hein. Oui. Là, tu sens Corta qui claque des fesses parce qu'il doit jouer l'ogre. Ouais. Il faut pas hésiter dans ce cas-là. Il faut taper, il faut taper, il faut taper. Voilà. Au moins, il a pas fait de conneries. Là, maintenant, tu sais que tu dois ramasser. Mm. Il ramasse quand même ma griffe du coup. Bon. Oh oui, un d'office. Et là tu vois, en fait moi je ramasse la griffe et je fais une esquive avec un des gardes. Oui, oui, oui. Mais parce qu'il n'y a pas d'intérêt à garder les deux gardes du coup. Parce qu'on a compris que l'ogre il voulait pas jouer. Après la tonceau n'a pas de vrai minus, donc je sais pas trop pourquoi il a très pas là, je mettrai une case, juste une case derrière. Alors là, pas en diagonale. C'est pas ouf, là, hein. Non, pas en diagonale, sur la au milieu. 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Petit risque quand même là. Bon, je pense pas que le gobelin prendra le risque, mais il y a un petit risque. Mais il y a surtout des risques de poutrage là. Putain, c'est moche quand même, l'ogre, il a blocage, ça fait deux fois qu'il tape avec, deux fois qu'il fait un. Non, pas derrière, au milieu. Après la case en plus, ça évite que la tronçon vienne le chercher. Ouais, mais s'il le mettait au milieu, il venait pas le chercher. Du tout. Et il pouvait faire sa petite esquive de garde. Ça c'est aussi, c'est un petit peu couillu. C'est peut-être un piège. Ok, risque. Après, griffe, 4 en force, bludge, il craint pas grand chose. À oui, part oui, une mais là, sur la gueule. Il y avait un petit 4 plus pour aller chercher griffe. Plus 3 plus avec la tronçon. Bon, là, je comprends pas pourquoi le gob fait pas la bombe en premier. Avec lui. La bombe et puis tu vois ce qui se passe parce qu'il y a moyen de faire un strike d'humain. Bon, il va sans doute garder son bâton. Non, bon, d'accord. Il fait son double rideau. Ah, il a peut-être été décontenancé par la passe de griffe. Il y a de quoi. Hein. Je pense qu'il va décontenancer ce blitzer. Yay. Paf. Bon, ça va. C'est solide. C'est dommage qu'il ait pas lancé la bombe avant de jouer tous les autres. Bah ouais, c'est sûr, surtout dans cette config là, je suppose que... Bon ça va. Pas loin quand même. Hein.
Après, je pense que le gob joue en mode on a gagné la ronde. Si j'ai un nul, c'est bien. C'est dommage ça qu'on puisse pas avoir des résultats secrets. Tu vois, ou comme t'as au foot où tous les matchs se jouent en même temps. Ouais, ah, ça serait hyper compliqué à organiser. Ah non, ce serait impossible. Hein. Mais les matchs en jeu se jouent en même temps parce que comme ça, ils sont pas influencés les uns les autres. Ou alors faudrait tirer au sort les escouades à chaque ronde. Si tu sais pas qui dans Est-ce que tu peux noter tes idées pour Chaspo, s'il te plaît? Ouais, je pense qu'il a suffisamment d'idées. Il est pas Moi, c'est pour ça que j'ai pris le pack complet sur Bubble 3. C'est pour avoir les full skill skins sur les bretons, enfin les nobles. Je pense que c'est une équipe qui a un avenir. La prochaine CDV, c'est ça. Mais tu vois, je pense que Chaspo, c'est le seul qui va prendre le pack Imperial Nobility. Parce que tous les autres, là, les pigeons, bon, ils prennent le full pack où il y a tout dedans. Il y en a quelques-uns qui vont prendre le pack en Moi, je l'ai pris, pour être honnête, je l'ai pris pour les ballons. Oui, c'est vrai qu'il y a les ballons aussi. Puis il y a les dés. Oui, et puis Chaspo, moi, j'ai pris pour soutenir. J'ai pris pour soutenir. Oui. Si on prend pas les packs à 50 balles, ils vont encore nous faire un early soon later. Et on n'aura jamais le jeu. Ouais. Il y a un truc, je pense, qui est quasi garanti, c'est qu'au bout de quelques saisons, ils changent un peu le format. Parce qu'ils vont sans doute se rendre compte qu'ils sont trop généreux. Voilà. Mais j'y crois pas trop pour le moment. Trop généreux? Non. Ils vont. Oui, le 10 balles, soit c'est 10 balles, soit c'est du farm. Oui, ça va changer. Bah, c'est surtout qu'il y a trop de moyens de farmer des trucs. Quoi. Tu farmes en solo, tu farmes en multi déjà. Tu farmes à chaque blocage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu farmes un truc spécifique en plus sur le ladder public en plus du blood pass, enfin ça fait trop de trucs à récompenser, il y aura jamais assez de trucs cosmétiques quoi, à débloquer, enfin, ou alors c'est vraiment qu'ils ont non c'est 1000 points le blood pass et puis basta. Oui, mais il y a des trucs que tu peux aussi débloquer, il y a un magasin en jeu en fait, donc tu peux débloquer les trucs individuellement si tu veux, y compris les équipes des blood pass passés. Ouais, mais les dés, franchement, ils changent le logo du 6. C'est ce que Games Workshop a fait. Hein. Oui. Et la couleur du dé mais... est un nouveau set de dés. Hein. Mais là, ils ont fait un peu plus d'efforts. Hein. Dans ce qu'on a vu, ils ont fait les textures de dés. Et tout. Bon, c'est plus facile. Les ballons dans chaque équipe. Ouais. Pas oublier qu'ils vont ressortir exactement ce que Games Workshop a sorti. Donc, dans chaque équipe, il y a entre 2 et 4 ballons différents. Ils ont les modèles. Hein. Ils ont vraiment du matos pour nous plumer. Hein. Oui, bah oui. Mais est-ce que c'est suffisant, tu vois? Enfin, je sais pas. Est-ce que les gens vont vraiment dépenser du pognon ou est-ce qu'ils vont juste utiliser leur monnaie farmée, quoi? Oh, la bombe. Oui, les deux, je pense. Je pense que t'auras les deux. Oui, bah c'est leur plan, hein, mais. Après, je suis peut-être trop habitué au jeu, enfin au développeur un peu plus prédateur. Ah, but de la tronçon. Mais je sais pas, moi ça me choque pas parce que si tu joues sur plateau, tu vas claquer tes 50 balles tous les 50, 60 balles, hein, ça dépend si t'as tout dans l'équipe et si tu dois faire des compléments Forge World, plus tes peintures et ton terrain, tes dés, enfin t'achètes tout, donc tu claques 100, 120 balles chez eux tous les trimestres. Pourquoi tu ferais pas pareil sur le jeu vidéo? Alors ouais, mais tu peux pas vraiment faire pareil si t'as un modèle qui te permet d'avoir les trucs gratuitement à côté, quoi. Oui, mais vouloir faire en sorte que les gens jouent, créer des ligues, stream, ouais, c'est cool. Enfin, le parler du jeu, je pense que c'est payant. Hein. Oh. Oui. Oui, oui. Mais bon. Après, tu vois, moi, mon point de comparaison principal, ça sera plutôt les jeux comme Magic the Gathering. Voilà, avec son formidable. Et c'est vrai que pour que ce soit hyper rentable, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus prédateurs que ce que va faire Cyanide ou Nakon. Je pense que c'est pas pareil. Magic, dans le jeu de cartes déjà, t'as un côté compulsif. C'est-à-dire que t'achètes des decks, enfin t'achètes des. Oui, non, mais je veux dire, t'achètes des boosters pour avoir la carte rare qui va valoir des centaines d'euros. Un côté collection
qui est beaucoup plus développé que sur un jeu de figurines. Bah ça c'est sûr, mais je pense que les cosmétiques ça fait partie de ça, le côté collection. Et s'il y a trop de moyens gratos de les obtenir, je sais pas, tu vois. Parce que tu vois sur le Magic Arena là. Ah, mais ils démarrent quand même leur jeu de base démarre à 30 balles. Ouais, mais c'est pas très cher en fait. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais t'as que 12 équipes, t'as la moitié du jeu. Donc tu vas au moins rajouter le double. Donc les DLC, quand tu vois que Total War Warhammer démarre à 60 balles, mais t'as déjà les premières DLC, tu les as gratuites, et au bout de 3 semaines, un mois, t'as des DLC payantes qui sortent. Quand les gens, les développeurs s'occupent d'un jeu, les gens sont hypés, ils jouent, et ils ont envie d'avoir les suppléments. Ouais. Moi je trouve ça positif. Bah j'espère que ça va marcher, franchement. Que ce format il se suffise un peu à lui-même finalement, que les gens se hype et du coup ils dépensent des sous régulièrement. Par contre je trouve que 10 balles l'équipe, si c'est le cas, 10 balles l'équipe qui devrait plus ou moins être dans le jeu dès le départ, c'est trop cher. Bah après c'est pas vraiment 10 balles l'équipe en fait, tu payes un abonnement 10 balles tous les 3 mois, c'est plus ça tu vois. Hey, mais il te débloque une équipe. Alors ça débloque une équipe, mais t'as pas que ça. T'as tout un tas de cosmétiques, de machins qui se débloquent aussi quand t'achètes le Blood Pass. Encore plus que les gens qui vont farmer gratuitement. Donc t'as les dés, tu vas sans doute avoir plein de... Tu vas sans doute avoir tous les trucs de l'équipe en fait qui vont être débloqués. Après moi je suis un pigeon pour ça. Hein. Moi les dés, je les ai tous. Les terrains, je les ai tous. Enfin je parle en plateau. Hein. Donc, Games Workshop te la met encore plus profonde en te faisant acheter les star players chez Forge World. Ah oui, alors et ça, heureusement qu'il n'y aura pas. Par contre, tu vois, tu vas sans doute débloquer les terrains aussi, les trucs comme ça. À mon avis, tu débloques tout. Oui, tu débloques le pack complet, quoi. Donc, toute la cosmétique de l'équipe, les stars et les terrains. Oui, bah, je pense pas que les stars, ils vont les vendre à part parce que, vu le fonctionnement des stars sur Blood Bowl... Tu peux pas vraiment les limiter, tu peux pas dire bah non toi t'as pas accès aux stars quoi, enfin ça fonctionne pas en fait. Après ils peuvent mettre tout un tas de skins de stars et puis je sais pas des coachs comme ils veulent. Après s'ils sont malins et qu'ils te rajoutent les règles des ballons, tu vois les ballons spéciaux, les terrains spéciaux, les météos spéciales, en fonction des saisons, les trucs qui sont dans des zones et tout, tu peux faire des trucs complètement fous hein. Oui bah. Mais il faut espérer, tu vois, que les gens, ça les motive suffisamment tout ce qui est cosmétique, je pense. Même quand c'est des trucs hyper détaillés comme les terrains, hein, parce qu'ils ont fait des efforts là-dessus quand même. Oui, mais simplement, enfin, tu vois, ce qui manquait dans Blood Bowl 2 par rapport à Blood Bowl 1, c'est que quand ton joueur est PEX, monte de niveau. Il commente le match. Non. Non, on commente pas le match, on s'en fout du match. Bah, pour l'instant, c'est tranquille, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Quand ton joueur montait de niveau, il gagnait de l'armure, il gagnait du ski. Enfin, tu vois, il y avait ça. T'avais les Black Orcs qui devenaient quand j'étais niveau 4, ils étaient énormes. Mais après, ça, tu peux le contrôler toi-même. Hein. Même les mutations, tu peux les rajouter manuellement si tu veux sur tes joueurs pour tromper l'adversaire. Ouais, ça, c'est en trichant dans les fichiers. Ah non, mais t'es plus obligé. Non, mais sur Blood Bowl 3, je veux dire. T'es même pas obligé de tricher, hein. Ça sera disponible comme ça. Enfin, c'est ce qu'ils avaient dit en tout cas sur le Discord. Ce serait con parce que. Mais après t'es libre, si tu veux faire une équipe thématique, les mecs à deux têtes, tu leur mets tous deux têtes, alors ils auront pas la compte tout de suite. Et Cortac qui dit qu'on raconte notre vie au lieu de commenter le match. C'est pas vrai. C'est faux. Alors bah, qu'est-ce que tu commentais là? Est-ce que le vol-au-vent était bon? Ah il est quand même excellent. Mais je trouve qu'ils sont très sympas. C'est cher mais c'est super en fait, le roi d'Espagne. Là on raconte notre vie. Ouais. Après, oui, c'est cher. Hein. Le vol-au-vent, c'est 25 balles. Voilà. Il faut économiser pendant des mois pour. le problème, c'est que tu payes l'emplacement touristique. Bah ouais. Oui, puis même, hein, tu payes la préparation. Puis les serveurs sont hyper sympas aussi. Hein. J'ai des collègues et des potes qui ont bossé au roi d'Espagne. Je sais pourquoi c'est cher. Ah. C'est la vieille école de l'Oreca. Ils sont payés au pourcentage de caisse, les serveurs. Ah. Donc alors quand tu vends t'es payé. C'est Artag l'ogre qui a récupéré la balle, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais bah c'est normal. Il a 3 secondes. Garde-la, mais non. Ah, il la jette par là. Non.
perception du troll de Bolgrot non. Mais la passe est passée, c'est bien. C'est pas le ballon, c'est une bombe. Oui, c'est vrai. Garde-la pas. Mais yes. Il aurait dû faire une transmis au troll. Non, oui, on peut... Non, on peut pas ça. Non, c'est une passe. Par contre, c'était beau, hein, ce 6 puis ce 5 là. De faire des matchs régulières sur le jeu, ils peuvent pas faire. Oui, bah exactement. Mais après, franchement, pour des devs, c'est beaucoup plus confortable de se dire. Il y a un format de saison, tout ça. Mais je préfère ça plutôt qu'ils sortent le jeu de base, ils s'en foutent pendant 3 ans jusqu'à l'extension qui sort le reste des équipes. Bah, le truc en fait, c'est qu'ils ont des arguments pour dire bah regardez, le jeu il marche, il y a tant de personnes qui reviennent tous les 3 mois. Enfin, c'est. Mais en fait, ils se basent sur le format CCL. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont regardé les stats, c'est que à chaque début de CCL, t'as plein de gens qui jouent. Ouais, alors, ouais, je pense que pour le coup, c'est pas si populaire que ça la CCL. Par contre, ils ont forcément regardé les formats de jeux multijoueurs en dehors de Wimbledon. Mais je sais pas, quand je regarde. Par exemple, tu prends la chaîne du Big Eden, qui relance une hype à chaque début de CCL parce que. Tu redémarres des nouvelles équipes, tu redémarres à zéro, tu n'es pas qualifié pour celle d'avant, tu retentes ta chance pour celle d'après. Oui, non, mais il y a une commu, c'est sûr qu'il revient pour ça. Hein. Mais il y a aussi une commu qui pourrait revenir dès qu'il y a une mise à jour qui rajoute des trucs, tu vois. Y compris des joueurs solo qui veulent découvrir la nouvelle équipe, des choses comme ça, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne idée parce que ça marche pour tous les jeux multi qui l'ont fait, ça. Après, si forcément il y a une baisse d'intérêt. Bah c'est la merde, mais bon ça c'est... Mais la baisse d'intérêt elle est liée au fait que le jeu de base, jouer contre l'IA, jouer tout seul, ça n'a pas de sens. Au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Tu dis ça, mais il y a des joueurs, ça leur suffit. Ils se font plaisir quand même. Oui, mais alors pourquoi les gens demandent du cross-platform? Alors le cross-platform, c'est intéressant pour les joueurs console, pour qu'ils puissent trouver des adversaires en fait. Oui, on est bien d'accord. Mais ça a du sens. Oui. Ça a du sens. Je prends par exemple l'exemple de Bernico qui a été en playoff de CCL PS4. Je me mets à sa place, tu vois, t'as des gosses, t'as machin, ton PC est pas full et t'as pas l'installation pour. Tu joues sur la console de tes gosses par exemple. Mais tu peux pas jouer avec tes potes qui sont sur ton PC. C'est chiant. Ouais. Oh, l'ogre fait quelque chose. Depuis qu'il a attrapé la bombe là. Après le côté cosmétique pur, hein, c'est un peu comme avec les scions. T'as des gens qui s'en foutent d'avoir un équipement de telle couleur. Ouais, les ballons. Les scions, quasiment tout le monde s'en foutait pour le coup. Ouais. Bah, c'est servi qu'à acheter des tenues. Bah oui, parce que c'est même pas des beaux cosmétiques, c'est juste non, des ça change rien. Ouais. Là par contre, t'as des cosmétiques sur les armures, les joueurs, les gueules, les... Bah oui, puis mine de rien, avoir des cheerleaders différents, des causes différents, enfin... Voilà, t'as vraiment du vrai cosmétique. Après, moi j'en reviens au débat de base, quand tu joues 2000 heures à un jeu, s'il coûte full complet boulette... salade tomate oignon, 100 balles, est-ce que c'est grave? Non, bah non. Ah, moi, en fait, le seul truc qui m'inquiète vraiment sur leur format, c'est que s'ils font une mise à jour tous les 3 mois, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque que de temps en temps, ça rende. Enfin, ça soit un peu incompatible avec les ligues qui durent plus de 3 mois, quoi. bon, faut voir, hein. Mais des mises à jour qui cassent un peu le jeu, des fois, ça arrive, et. Bon, on verra. Je pense qu'ils vont implanter une équipe tous les 3 mois avec le complet boulette cosmétique et ça s'arrêtera ça. On verra. Après, il y aura forcément des bugs à corriger. Hein. Il n'y a plus aucun jeu qui sort sans bug de nos jours. Faut pas s'attendre à un truc qui soit complètement viable dès le début, je pense. On a vu les bêtas. Hein. J'en ai au courant. Oui, puis bon, on n'a pas vu toutes les équipes dans les bêtas aussi.
Non. Donc voilà, les mutations, tout ça, on n'a pas pu tout voir, tout tester. Enfin bon, on verra bien, mais... Moi, je me rappelle bien quand il commence à pleuvoir avec le terrain Nurgle, que tu vois plus rien sur le terrain. C'était chouette. Oui. Bah ça, pour le coup, c'est pas très compliqué. Voilà, il suffit de pas utiliser les terrains. Ouais, mais c'est quand même dommage parce que la plupart des terrains spéciaux sympas au niveau du look, tu voyais que dalle quand tu joues. C'est comme le sang. Hein. Après, c'est le truc, faut s'y habituer aussi. C'est comme les taches de sang, quoi. Maman, enfin, ouais, t'as vraiment envie de faire des cris sur le terrain. Hein. Mais c'est trop, quoi. Alors que c'est fou parce que le sang existe depuis toujours. Hein. Ça, c'est les phrases à retenir. Ça. Ouais, le sang existe depuis toujours. Bon, alors, non, mais sur BB2, bombardier. Ils l'ont pas remis. Mais sur BB1, tu l'avais sur le terrain. Le bombardier. Non. Mais tu, je crois que tu l'avais que quand tu passais l'armure. Enfin, quand tu faisais une blessure ou un truc. C'est possible, là, à chaque fois que tu fais un bloc, t'as du sang sur le terrain. Mais c'était pas comme ça sur Bloodball 1, justement. À chaque fois que tu faisais un bloc. Non, pas à chaque fois. Ouais. Pas à chaque fois. Mais là, tu rajoutes en plus que les joueurs se salissent en fonction des tours. Et en fonction, je crois qu'en fonction du nombre de fois où ils vont à terre, c'est le cas aussi. Oui. Effectivement. Mais c'est oui, dommage, hein, c'est des trucs super cool et ils ne mettent pas assez en avant. Après, comme dit Wall, tout ça, c'est des trucs que tu peux désactiver comme tu veux. Oui, mais c'est dommage que... Enfin, voilà. On verra si c'est avec 100, où il y en a beaucoup trop, ou 100, où il y en a plus. Ouais, oui, après, c'est un peu comme les animes, tout ça. Tu fais un peu ta petite cuisine. Ouais, je suis d'accord, mais c'est dommage de pas faire un truc... Ou t'as un truc quand même qui ressemble, enfin, sur l'ensemble d'un match, t'as pas le terrain tout rouge à la fin. Quoi. Alors là, Pete Martin a essayé de mettre un peu la pression, vu qu'il a réussi à coucher deux piliers de cage. Mais du coup, il offre des blocages aussi. On va voir si ça paye. Autre part Tarantino. Ah, puis le jour où il y aura Bomber, ça sera carrément. Comment il s'appelle le mec qui fait des explosions tout le temps là? Mais quel bête, ouais. Alors là, depuis quelques mois sur Fumble, tout le monde prenait Bomber, et là il y a Cindy qui a été annoncé, donc tout le monde disait « Ah ouais, on va avoir deux bombardiers avec les ogres et tout. » Mais heureusement, il y a eu ce petit changement de règle sur les inducements, ce qui fait que tu peux pas dépenser ta trésor quand t'es celui qui a le moins de TV. Mais bon, il est qu'à 50k Bomber, donc à mon avis, il va continuer d'utiliser tout le temps, puis ça va continuer à être Michael Bay. Ah, il va tenter d'avoir le 3D maintenant sur le Pogo, il a pas réussi à le coucher. Bah, il peut quand même faire une cage, pour protéger Griff. Ah, pas s'il se met là, par contre. Griff, il a pas besoin de cage. Griff, c'est Griff. Griff, il se protège tout seul. C'est Griff la cage. Ouais, alors ça c'est bien de coller le bombardier par contre. Parce que là il commence à être un peu pénible. Okay. Bon, ça ressemble plus à une cage déjà. Oh, c'est dommage ça. Il est tenté de relancer là. Ça se relance là quand même. Une petite relance offensive. Voilà, Cortac. Voilà. Ça c'est parce qu'on l'a dit. Et ça flash. Et ça sort. C'est la vengeance de Turtle. Voilà, et il est mort. Bon. Ah, Turtle, il est familier avec les morts de joueurs maintenant. Ah oui, depuis hier. Turtle, il a rien fait aujourd'hui. Ah, c'était dédicacé, Artag. Relance offensive mort, c'est beau ça. Turtle, il a rien pu faire aujourd'hui. Il a fait que des funérailles. Ah bah. Défoncé comme rarement. Alors, si j'étais à la place du gobelin, qu'est-ce que je ferais? Ce bâton, il l'a mérité, mais mille fois. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau.
Ouais, on pourra faire un clip. Mais on n'est pas à l'abri que Griff tombe encore. Là, je vois sur le visage de Kortak un petit rictus de satisfaction. Voilà, regarde, il a un petit sourire, un tout petit. Je vois sa moustache. Ah voilà, il sourit clairement. Oh là là, oh oui. Ah, il est en confiance, le gobelin va pouvoir frapper. Là, il est prêt à pas gagner le match, hein, mais juste parce que c'est... Ouais, alors, là, il a raison, la main de Dieu à deux plus, ça vaut le coup. Aïe, ouïe. Bon, bah, du coup, ça te donnera pas plus que ça. Ça laisse pas vraiment d'ouverture. Bah, je sais pas, est-ce que tu tentes le 2D contre pour avoir double flèche? Ouais, enfin, c'est pas vrai... Ah oui, ouverture pour les gobelins, tu veux dire? Toi, tu crois encore? Bah, j'essaie de mettre à la place du gars, quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Ah non, mais moi je me mets à la place du Kortak. Hein. Quand est-ce qu'il va marquer? Quand est-ce qu'il va tenter le GFI avec Griff? Il fait pas de sortie, le gobe. Ah, le push-push pour coller Griff. Ouais. Je pense que Griff s'en fout. Mais... Oui, mais bon, il peut tenter un 2D contre. S'il le fait. Hein. Après, il peut se dire. Non, voilà, il fait que repousser son. Non, je pense qu'il a buté par là parce que voilà. Okay. On peut passer par là. Et voilà. Décolle son bombardier, je sais pas si... Bon, pourquoi pas, y'a pas grand chose d'intéressant à faire. Un petit coup de chat là, vite fait. Ah non. Oh. Ah, le terrain chaté. Ah, un simulator. Ouais, c'est peinard, hein. Y'a 4 joueurs, y'a ce qu'il faut pour faire sa cage. Faut juste me méfier un petit peu du bombardier. Moi je pense qu'il faut pas partir sans poutrer le bombardier. Ouais. T'as le temps là. Je pleure du jeu. Ah t'as vu que Griff ose même pas. Il utilise une case de mouvement de moins. C'est pour être sûr de pas rater un GFI. Fait des GFI négatifs. Il fait une cage comme s'il était en finale de CDV. Bah, non, mais vas-y, mets le garde, vas-y. Ah, je pense que le garde il va viser le bombardier. Moi. Moi je mets le garde, je fais la cage complète avec le garde et je blitz sa log. Hein. Tu blitz quoi là, gros? Je sais pas, le truc qui traîne. Bah tu tapes le petit gob et tu blitz ce putain de bombardier à la con. C'est le seul qui fait chier en fait depuis ouais. Le début. Bon, après il a pas fait grand chose quand même sur la mi-temps. Non mais il fait chier quand même. Ouais, il a le potentiel quoi. Mais... Relance ça, on relance. Non mais il a 2D encore, il a 2D, ça va bien se passer. Suivre. Oh, faut qu'il tue. Pourquoi il tue pas?
Il va se mettre dans le paquet, comme ça le bombardier peut lancer mieux. Allez, les deux sols là. Ah là, tu prends voilà. Tout. Salade, tomate, oignon. Hop là. Bah ouais, tu prends lutte. Il rentabilise. Non, après, il sait pas pourquoi il a mis lutte sur un. Parce que de toute la CDV, ce lutte a quand même servi un peu à rien. Je suis pas fan du lutte sur les humains. Il paraît que c'est toi qui l'a, qui lui a conseillé ça. Ouais. C'est un mauvais conseil. Ah. Bref, ça a comme 6 de move à l'humain. Donc, s'il tombe sur du roster lourd, je pense que c'est pas mal. Hein. Il ralentit bien. Après, je sais pas s'il a joué contre beaucoup de rosters lourds finalement. Je ne sais pas si t'as besoin d'un lutte quand tu joues griffe en fait, surtout. C'est délicat hein, parce que quand tu joues un champion, t'as tellement pas l'habitude de jouer. Ouais, c'est peut-être pas. Je pense que c'est son roster que j'ai dû lui conseiller ou quelque chose comme ça, je sais plus. Oui, mais non, mais il me l'a dit hier. Ouais. Que le lutte, c'est toi qui lui avais recommandé. D'accord. Moi, le 3 quarts lutte en humain, rien à foutre. Bah là il a un bon roster pour affronter du lourd en fait, avec toutes ses gardes, tout ça. Après c'est vrai qu'il... Pas tant que ça. Ah bon ? Non parce qu'il manque de mouvement. Ouais ouais. Enfin il a quand même 4 blitzers à mouvement 7 et griffes. Oui, mais comme les blitzers sont gardes, ils vont coller le pack tout le temps. Oui. Moi ce que j'aime pas. En fait c'est ça qui est délicat. Mon roster était pas parfait. Parce que j'ai pas de champion, j'ai pas griffes. Et du coup j'ai deux receveurs, j'ai des gardes, j'ai l'ogre, j'ai une équipe humain classique. Le roster sans ogre que j'ai vu dans la semaine, avec griffes et des receveurs, je le trouvais sympa parce qu'il est vraiment rapide pour le coup. Et celui-là il est entre deux. Il y a griffes qui coûte la peau du cul. Et du coup tu as t'as pas de receveur, t'as pas le mouvement optimal des humains, t'as pas les compétences gratos. T'as quand même l'ogre qui peut faire un tas de conneries, enfin, on l'a vu sur ce match. À qui, tant qu'à le prendre, moi j'ai mis garde dessus, lui il met bloc dessus, mais tant qu'à le prendre, autant lui donner une comp. Mais quand ce couillon joue pas, ça fait 160 000 balles qui joue pas dans un tour. Hein. Moi ce que j'aime pas dans le roster de Kortak, c'est que ses griffes dépendants. Oui. Oui. Mais en même temps, quand tu joues un roster avec griffes, il va être griffes dépendant parce que si tu veux vraiment le roster avec la totale, il coûte hyper cher. Hein. Je pense que le roster avec les receveurs et griffes, même si. Non, avec griffes, faut faire des choix. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Même si tu fais du Wall de Bruce et que tu pars avec la caisse, il faut faire des choix. moi j'ai vu pire, hein. Ike il est parti avec la caisse encore plus. Oui, alors Ike non seulement il est parti avec la caisse, mais en plus il a fait le roster le moins efficace possible, je pense. C'était pas top. là quand tu joues humain, je pense qu'il faut faire un choix, Wall. Il faut. Le griffe, je suis pas convaincu. Peut-être qu'un roster avec Zara par exemple. Ouais, moi le roster, j'ai gagné Namur avec un roster avec Zug. Hein. Pas d'or que Zug. Hein. Après, tu joues pas de la même manière quand t'as Zuck que quand t'as griffe. Ah bah non, tu joues poutring. C'est une petite lutte, il y a quand même pas mal de rosters contre lesquels ça peut faire plaisir aussi. Hein. C'est juste que là, il est peut-être pas tombé contre. Mais genre. Il y a Wall qui se vexe. Il dit qu'il est en meilleur ratio que moi. Bravo, Wall. Bravo. Tant mieux, hein! Moi je vais avoir soit 100%, soit 0%. Ou 50% si je fais un dune. Mais bon, ça comptera pour Jacques Frey. Ça comptera pas pour moi. Mais moi ce que j'aime bien, c'est quand tu joues humain. Parce que Zug en BB 2020, il coûte 220 000. C'est pas. Il est pas cher. Il semble, hein. Il est pas cher, c'est un ogre qui bouge plus vite, qui a blocage et châtaigne. Il bouge plus vite, il a pas 4 de move? 4 ou 5. Non, il y a 4. Ouais, il est un peu plus lent, mais il bouge à tous les coups. Ouais, bah voilà. Personne fait mieux que Jacharé, ça c'est sûr. Non, mais non, au niveau TV, ratio, c'est Jach qui éclate tout. Mais quand tu vois, tu joues avec tes blitzers qui en garde, tu t'entoures Zug, tu,
poutre à 3D à peu près toutes les losses avec Shatting Block. Et tu joues à tous les coups, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Ah oui, je me rappelle de pas mal de matchs à Namur où je l'ai. En fait, j'ai avancé en pilier avec, avec Zug. J'ai avancé oui, pas beaucoup. Hein. Bah, c'est le rouleau compresseur, mais sauf que t'as plus le mouvement des humains. Mais oui, en plus, son pouvoir c'est qu'une fois par match, il peut faire un plus 2 sur sa châtaigne. Non, c'est pas un plus 2. Bah, en fait, il a plus 1 avec châtaigne, il peut rajouter un plus 1 en plus. Oui, mais il peut l'ajouter aussi si tu passes pas la. Si t'as utilisé la châtaigne, en, par exemple, sur l'armure. Tu peux l'utiliser sur la blessure derrière. Donc... Alors, non, ça c'est forcément sur l'armure par contre. Non, non, non. Ah bah, c'est écrit comme ça. Non. Ah bah... Après, j'ai fait tout le tournoi, j'ai pas réussi à utiliser son pouvoir. Ah. Il a tout poutré tout seul. C'est juste non, que tu peux décider de l'utiliser après avoir fait le jet d'armure, mais c'est forcément jet d'armure. Ah, c'est peut-être sur l'armure hein, en fait. Mais du coup, t'as encore la châtaigne pour la blessure. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça le truc. La châtaigne après. Qui c'est c'est Kada Olaf, salut. Après on l'a presque pas vu mais le Cortac a marqué. Ah bah y'a pas. Oui bah de toute façon là c'était un peu acquis hein, j'ai envie de dire. L'Astral lance. Alors ça pour le coup c'est un truc que j'ai remarqué, tu en fais quand même un peu plus qu'avant des deux zones sur lancer. En Blood Bowl 2020, parce que tu peux garder tes relances. Ouais, ouais. Et mine de rien, le fait d'avoir plus 1 sur l'atterrissage sur un lancer parfait, bah comme ça, tu te dis, ça arrive jamais, mais bon, t'as une chance sur 6 de le faire quand même. Tu devrais pas dire ça, regarde le chat. Mais en plus, de temps en temps. Regarde comme Gortak est décoiffé là. Ah bah... Là, il a des cheveux quoi. Alors qu'au début du match, il avait pas de cheveux. Là il nous entend. Oh il nous entend. Il sacrifie Griff. Parce que c'est pas parce qu'il a pas son casque qu'il a pas eu le son. Bah il est pas comme ça quand t'as qu'il est honnête. Bah on est tour 16, qu'est-ce qu'ils s'en fout. Bah on pourrait donner des conseils sur le placement défensif contre le Wentorn hein. Ouais, il est pas symétrique là, moi j'ai un problème avec ça. Voilà, c'est pas qu'il nous entend. Il nous entend. Je sais pas. Après, il est peut-être un peu trop en avant là. 1, 2, 3. Non, c'est bien. Non, c'est vrai. Ouais. Ouais, il pourrait être une case derrière. Ouais, une case derrière. Ouais. 4, 5. Ah, oh, mais j'ai pas le temps de compter. Après, Wall, pour en revenir à ça, si j'avais eu 20 000 de plus. Et toi, 20 000 de moins, on n'aurait pas gagné la CDV quand même. Donc, on s'en fout un peu. Ouais, mais si Wall avait joué le feu noir et toi, je sais plus si j'avais eu. Gobelin coup... Alors, Gobelin. J'avais dit que tu voulais bien jouer avec Emery, moi. Ouais, mais ça passait pas ça. Bah, j'aurais pas gagné. Mais avec Braza, j'avais envoyé un truc où je mettais avec les meilleurs win rates des coachs de Belgian ce qu'il fallait qu'il joue. Et Wall, il faut l'envoyer en elfe noir en fait. Hein. Les chiffres sont fort belles. Ouais, mais Wall il adore monter une équipe de gobelins, partir avec la caisse et puis chater. Ou pas. Mais en fait, au final, il a pas mal chaté toute saison. Moins que Jash, mais bon, voilà. Donc, ah, mais Jash, il faut arrêter de parler de Jash parce que c'est impossible d'atteindre Jash. Mais est-ce que tu peux monter une squad de CDV sans minus? Ah bah oui, oui. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on avait trop l'équipe qui était milieu de tableau. Tu vois, les humains pas full TV, donc sans griffes, ou sans champion. Les orques de Braza étaient aussi milieu, et Miop était milieu. On a mis des points dans Nico et Wall. Et je sais pas si c'est bien en fait de faire ça. Bah mettre les points dans les scaven, je pense que ça a du sens quand même. Ouais mais il te coûte déjà la blinde hein, en points de squad. Bah oui, tu leur mets un peu de TV. T'as envie qu'ils gagnent alors. Ouais mais moi je ne déborde pas sur ce que j'ai dit hier. Je trouve que Nico joue mieux scaven sans Rao. Ah peut-être.
parce que j'ai joué Nico plein de fois en scaven en vis-à-vis. Jamais j'ai vu un Raog sur le plateau. Et en CDV, j'ai vu le Raog tout le temps. J'ai vu le Raog blitzer, faire ci, faire ça, plein de trucs. Et il ratait plein de trucs aussi. Il voulait peut-être tester un petit peu roster Raog. Hein, non, je crois que c'est le côté on fait un roster pour affronter tout. Oh. Ah. Après, je sais pas, il a eu l'occasion de jouer contre des elfes ou pas. Je sais plus. Parce que contre les elfes, c'est quand même pas mal le Raog, je trouve. Miop, il a été le je sais pas, le tampon, le Kleenex, enfin ce que tu veux. On l'a toujours foutu dans des match-up complètement pourris. Ouais, ça je sais plus, mais après Miop, il a pas pu se concentrer comme il voulait, je pense, sur... Bon bah c'est la victoire. Il y a de ça aussi, mais je vais dire, il a eu des match-up pourris tout le temps. Les 6. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, on l'a toujours mis en bouche-trou. Oh, regarde Kortak, il est content. Ouh, il est content, Kortak. Ah, c'est une victoire et une victoire morale. Donc, double victoire, ça compte pour deux victoires. Tout à fait. Allez, il fallait des gobes pour que je gagne. Bien joué. T'es particulièrement décoiffé, mais on voit que t'as donné de ta personne. Griff, il nous a fait un petit peu peur quand il a raté son esquive. Là. Oui. Il y avait quand même des petits problèmes de pathfinding au début là. Hein. Les esquives, tout ça, ça a pas marché du tout. Hein. Ça, si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non mais ce qui est un progrès par rapport au début, c'est qu'il meurt pas quand il rate une esquive. Putain, je voyais rater. J'ai eu de la chance, hein, des trolls qui ont pas été très actifs. Ah, puis les poutrages. Le poutrage des trolls aussi. Ouais, aussi. Attends, c'est un blocage. Ah, il a pas pu s'exprimer. Pas mal, hein, il joue bien. Il joue très bien. Ah, là, j'ai eu la main lourde, un petit peu. Putain. Moi, je trouve qu'en seconde mi-temps, le Gob a joué parce qu'il savait que la ronde était pliée. Non, il voulait quand même défendre. Mais après j'ai le mouvement donc j'ai fait. Oui, mais il jouait pas à droite, oui. J'ai décalé à gauche et j'ai redécalé à droite. Parce que il jouait pas la Wii. Tu vois, la ronde était pliée. Après ça c'est normal. Il jouait clairement. Le tie break. Ouais, oui. Ou l'honneur, enfin, à perdre. Mais... Oui, bon, ça c'est. J'aurais fait pareil. Putain, c'était mon match quoi, des poutres partout. Hein. Partout. Ah, des bondés. Hein. Ah, j'avais tout là. Les esquives, c'est pas top quand même, 50%. Il en a raté beaucoup, Pépère. Il en a raté beaucoup d'esquives, le petit gobelin. Il en a fait beaucoup. Ouais. Bah, alors, deuxième mi-temps, il a été obligé. Ouais. Mais toi, c'était beau, hein. T'alternais un, pas un, avec griffe. Tu vois, on savait pas sur quel pied danser. Tu vois. Oh là là, ouais. Magnifique passe de griffe. Là. Ah oui, voilà. Oui. Ça fait du bien, ça. Il nous a fait vivre. Ah là, je peux te dire qu'on a claqué des fesses. Hein. Ouais. Attends, il doit faire une esquive de GFI avec griffe pour faire une passe 3 plus. Oui, puis j'ai jamais passé. Bon, ça s'est pas tu vu. Tu relances en plus. Hein. Ça s'est pas vu, mais j'ai failli me bloquer le chemin. En fait, je calcule un blitz sur la tronçonneuse pour pouvoir me mettre à sa place et avoir la garde. Et en fait, je la mets au seul endroit où je peux pas me mettre en fait. Enfin, le seul endroit où je voudrais me mettre. Et du coup, comme je l'ai foutu KO, bah ça s'est pas vu quoi. Et il y a eu pareil avec notre gobelin, que je veux le pousser, mais je mets au mauvais endroit, mais comme il tombe KO, on s'en fout, quoi. En fait, non, c'est le troll. En fait, je veux décaler le troll à droite pour pas qu'il ait le soutien pour se relever de son copain. Et je le mets à côté du gobelin, et je fais « Ah merde !» Et en fait, je le fais KO, donc je dis « Bon, ça s'est pas vu, quoi. » C'est des micro-erreurs. Bah, je t'avoue, on l'a pas vu. Hein. Après, on a un commentari comme il faut. On oui, a oui. 3, 2... Je me doute, uniquement je me doute. Du match. Je me doute, quoi. Vu les commentaires de ceux qui vous répondent sur le chat, oui. Ah, mais hyper siffle. C'est parce qu'ils sont toxiques, ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ils sont jaloux. Ouais. Ah, j'étais pas confiant, mais ça va quand même. Ça. J'ai quand même des gobelins, je vais y arriver, bordel. Les prises de risque pour les trolls, ouais. Bon, ça va. Il va après. Dommage pour la ronde au final, hein, parce que ça aurait pu passer. Hein. Bon, ça reste une belle aventure. Quoi. Du coup, classement... Ah, petite défaite, vous allez faire vraiment le parcours que vous méritez. Dans le sens où vous n'allez pas finir qu'un dixième.
en ayant joué en table 3. Et du coup, il manque un truc. Ah, les petits boulets, ça n'a pas été validé. C'est bizarre ça. Il est toujours ouvert. C'était quoi le match, les petits boulets? C'est Jash? Ouais, c'est Jash qui a gagné 1-0. Ah, y en a un qui a jamais leur nom. Cornu est méchant, Barbu est malfaisant, Clot est agressif, Petit vicieux. Pas mal, hein. Court et cogneur. Nous, c'est une vieille squad. De... Alors nous, c'est, t'as vu, c'est Belgian. Rien, Belgian. CDB, CDB. On se fait des... Voilà, c'est nous, quoi. C'est nous, c'est... Eh. Eux, c'est beau. Nous, c'est nous. Nous, c'est nul. Alors que les autres squads de Belgian avaient le même uniforme. Mm. Moi, j'ai dit depuis le début, hein, au début du match, j'ai dit, bah, ils sont en bleu, c'est pour ça qu'ils perdent. Ouais. Bon. Bon, après, ouais, le match... Bah, vu qu'il y a l'égalisation... Après, j'étais tranquille, quoi. Il jouait à 10. J'ai dit, bah, on va faire une belle cagette, quoi. Une belle cagette, on va avancer, pépère. Le bombardier aurait pu faire un truc, mais bon, c'est très aléatoire. Alors, évidemment, parce que je suis sûr que vous avez même pas vu, parce que vous pas racontiez vos vies. T'as l'ogre qui a intercepté. Mais la si, bombe. On a vu. Mais si, on l'a vu, moi, j'ai dit, garde de là. Et on sent le contact pas joueur. Alien m'a dit, il a le ballon. Je garde le ballon. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était la bombe. Tellement on était focus sur le match. Oui, alors. Et j'ai poussé la bombe sur le côté, j'ai pas dit on va la relancer. Oui, 5 plus, il s'est bien débrouillé, ça l'a réveillé, je dirais même. Et la relance offensive, hein, spéciale. Ah non, mais là je l'ai dit direct. Ah bah oui, relance offensive. Ouais. Et les blitz à l'ogre qui ont raté parce qu'il était con, je l'ai dit aussi. J'ai dit, là il faut faire ça. D'office, il faut faire ça. Dès qu'il faut frapper, de toute façon tu vois le jeu, toi. Tu vois le jeu. Ah, oh, mais le but de sa log que tu fais sur Paul Grotte, j'aurais fait 10 fois. Putain, j'avais. Le... À un moment, t'avais une semi-cagette, puisqu'il avait pas raté, il a arrêté sa dernière esquive. Et j'avais une esquive 3+, avec 2 dés, sans tacle, avec, pour le saké, avec un vieux 3/4. Ou le blitz qui fait le grand tour avec 2 patates, et... 2 esquives. Et en plus, blitz, Griff, j'annonce le blitz et puis je fais les actions une par une, tu vois, parce que je suis très prudent. Et évidemment, il se vautre, et là j'ai dit bon, ça va être foutu. Et en fait, j'avais calculé. Mais moi j'ai dit, c'est le pass-finding. Hein. Alors moi j'avais calculé. Dans des zones de tacle. Hein. À 2+, mais tu passes dans des zones de tacle. Ouais, ouais. Et j'avais calculé que la tronçonneuse était trop loin pour me sécher si je me ratais, quoi. Mais Artag, il aurait fait l'esquive 3+, mais il nous a dit à ce moment-là. Ah, j'ai longtemps hésité. Mais le problème, c'est que. Non, pas au guerre 2, c'était avant, c'était avec le 3/4 au début du match. Ah oui, clairement. Mais bon. Après le second après, bit de le problème, c'est quand tu joues humain et que t'es un peu esquive friendly, et que t'en rates une, t'en rates deux, t'en rates trois, ça te refroidit quand même vachement. Et après, tu avec... dis que tu vas jamais en réussir une. Avec Griff, la second bit, j'ai pas relancé. Parce qu'en fait, je voulais repousser pour que s'il fasse le jump, il a un 2+, il faudrait que ce soit plus compliqué. Je me suis fait un nouveau cerveau. Ah ben ça, avec Alien, on était d'accord, on aurait relancé nous. Donc qu'à faire, tu vois, il avait bloc, le bâton avait pas bloc. Oui, non. À 2D sans, avec bloc, ça suffit. Ça suffit pour faire quelque chose. Bon, après, bon, c'était j'ai pris pour des risques calculés, mais bon, ça va. Donc t'as fait quoi, toi, en CDV? T'as fait alors, 3 CDV, j'ai perdu une seule fois, c'était mon avant-dernier match contre les orques. Où j'avais fait claquage du tendon d'Achille sur Griff là. Et derrière il m'avait mis le but à coup de 4+, et il m'avait déroulé l'équipe par-dessus là. Les orques. Donc tu gagnes 3 matchs, tu fais 2 nuls et une défaite, c'est ça? Alors ça c'est mes stats. 3-2. C'est pas mal, c'est bien. En 6 matchs, ouais. Parce que le premier match c'est l'entraînement avec Kaz. Non, c'est bien. Oui. Bah vu ce que j'ai pris dans la gueule, oui, j'ai... J'en ai chié, j'ai craché du sang à des moments. Et le nul, c'est le Wallork. Donc, Croc Gaming avec ses bafons, j'avais arraché le nul. Et contre les Nurgle, le nul aussi, mais l'adversaire joue le nul. Voilà. Donc ça va, non, ça reste une bonne équipe, malgré ce que dit Artag. J'ai pas dit que l'équipe était mauvaise. Et pour ceux qui pas ça. Pour ceux fait, qui regardent, c'est Alien qui a fait l'équipe. Oui. Je réfléchis. Après, moi, je pense que le Luch, je le mets pas. Mais enfin, qu'est-ce que tu mets à la place? J'ai refait un roster classique en fait. Hein. Oui. J'ai rien fait d'original. Non, mais je réfléchis par rapport. J'ai joué humain aussi. Et qu'est-ce qui me manquait dans mon équipe?
et qu'est-ce que t'as dans ton équipe que je n'aurais pas voulu avoir. Moi, je trouve talent, du talent déjà. Pardon. Oui, talent, c'est clair. Ah oui, pardon, sur la feuille, sur la feuille de match. Mais moi, je trouve que ça, voilà, t'as pas la peau. Moi, la peau, il m'a servi à peu près à tous les matchs. Oui, oui, tout à fait. J'aime pas être dépendant d'un seul joueur, donc de griffes. L'ogre, je pense que je devrais faire une équipe humain, je mettrais rien sur l'ogre. Mais en fait, il faudrait que tu joues plus elfe sylvain. Artek. Ouais. Non, on m'a forcé en BHL une saison, ça n'a pas marché du tout. L'ogre, l'ogre, il faut blocage. Mais mon ogre, il avait garde. Mais là, si tu veux, Bolgrod, je le tapais, quoi. J'avais pas peur. Oui, sauf que quand tu l'as tapé, il tapait pas. Bah après, j'ai tapé. Après, j'aime bien l'ogre dans une équipe. Mais je redisais à Lien juste avant que tu finisses le match, un Zug. Oui. Un Zug dans l'équipe, c'est cool. Il est un peu cher, peut-être. Là, tu vois, t'as 160 000. 250 en l'herbicide. Mais 160 000, l'ogre avec le blocage. Tu vois. C'est moins cher que Zug. Le problème, c'est que dans notre escouade, ça rentrait pas un champion avec les points. C'est pas facile. Après, je dis, moi, l'équipe, j'aime bien parce que tu as un tac, une lutte. Lutte, tu peux faire vachement de tricks. Et moi, ce que j'aime pas. T'as vu, je tapais le troll avec lutte. Juste pour le foutre par terre, quoi. Parce qu'il avait blocage. Ouais, parce que j'aime pas dans les compos rien à faire humaines avec des champions. C'est que tu perds tes joueurs avec des compétences gratuites. Donc les receveurs et les lanceurs. Ouais. Bah, les receveurs, ils ont 8 d'armure, c'est pas mal aussi. Bah c'est triché par rapport au jeu de plateau parce que en LRV6 en théorie ils ont 7 d'armure. Ils avaient 7 ouais, d'origine, mais c'était un peu fragile. C'est bien aussi hein, les humains. Après tu mets des gardes et des châtaignes. Voilà. Voilà. Il y a Wall qui dit qu'il s'est sacrifié pour l'équipe. Ah, oui, oui. Quelle ordure. Oui, c'est sûr que. Mais là, voilà, son équipe a été pas mal hein, avec la main de Dieu un peu comme toi, mais la tronçonneuse châtaigne, je flippais. Hein. Sans son doigt, c'est fait sortir d'entrée, heureusement. Heureusement, parce que j'en prenais un par tour. Ouais, bah après, Sournois, c'est quand même pas très très bon. Là, il s'est fait virer parce qu'il a fait double sur l'armure et que l'armure est passée. Ouais, Il a fait double 5. Ouais. Bon, c'est comme ça. Mais ouais, avec Volgrotte, les deux trolls, c'est pas mal. Plus d'agilité sur le bâton, ça c'est top. Non, le bâton, ouais, c'est pas mal. Dès qu'il est à portée, il peut scorer, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Tu cliques tout droit et tu vas. Bah, c'est juste qu'il s'enlève le lancer. C'est ça. Pour ça, j'avais. Moi, j'ai pas trop le bombardier. J'avais vite elle séché avec la relance, parce que pour le one turn, il pouvait pas l'utiliser. Mais il peut l'utiliser pour ramasser la balle et la donner au mec qui allait être relancé. Donc, pour ça que mais le bombardier, je suis d'accord avec toi, Alien. Je déteste. Mais Wall l'a joué aussi. Bombardier, main de Dieu, en fond de terrain. Ça fait chier pendant un drive, mais bah, alors, des fois oui. Mais... Alors, Wall, il peut pas être lancé, mais il peut ramasser la balle pour la donner au lanceur. Et ça sert un moment derrière. Il passe partout. C'est hyper dur de te défendre contre. Des fois, tu loupes ton one turn parce qu'il te manque un mouvement, parce que la balle est trop longue. Là, tu gagnes une case avec le bâton ressort. Combien il coûte Scrapa? C'est pas 150. Attends, je me souviens plus des prix. C'est pas beaucoup plus cher. En fait, quand tu prends les compétences, il est meilleur que ce bâton-là. Et là, regarde, mon adversaire, il avait 12 mecs, il avait 2 pots de vin, il les a bien gérés. Imagine, tu rentres les deux, tu rentres Scrapa et le bâton à J4. Ouais, alors ça, c'est peut-être un peu overkill quand même, mais... Je sais pas si vous avez vu, l'adversaire, il avait 12 mecs, il y a eu 3 drives, et au 3ème drive, il y avait tout le monde sur le terrain. Il avait tous les pots de vin, étaient bien gérés. Il fait pas de sortie, donc forcément. Il a pu ranger sa tronçon sur son bord de terrain, voilà. Scrapa, 150k c'est ça. Ouais, il est pas si cher, hein. Mais il est souvent joué, mais plutôt avec les ogres, je crois. Ouais, mais il a 2 skills de plus, il a sprint équilibre en plus. Hein. Il a 4 agiles aussi. Oui. Et il peut être lancé. Il a vicieux aussi. Ouais, bon, ça. Bah, j'en ai vu piétiner avec Scrapa. Mais il peut être lancé. Après Wall. Scrapa est nettement plus rentable. Wall, il préfère le bâton. En première attention pour mettre le premier tout jaune. Parce que le one turn est anecdotique. Jamais de bâton. Franchement, je vais compter et lancer du joueur en plus avec les gobs, c'est quand même hyper aléatoire non, aussi. Wall, il joue jamais de bâton. Il faut quand même rappeler que dans cette équipe, il n'y a pas de fanatique. Le bâton, tu as un touch down assuré. Le premier drive, tu as ton touch down. Et après, tu joues le nul. Tu vois ce qui reste et tu vois ce que tu peux faire. Et au second drive, le mec qui te roule dessus.
il te fait un et tu tentes le one turn. Et sûrement entendu, tu fais un. Moi, je pense que ce roster là avec Scrappa à la place du bâton à J4, sans fanatique, parce que le fanatique au final, moi j'en suis revenu. Hein. J'ai jamais vu faire un fanatique un truc de fou. Ah, ça c'est juste un pot de vin qui est claqué. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Oui, mais comme tout avec les gobs. Hein. Pour un gros, hein. Je peux te montrer un kit. Tu vas me dire le bombardier, c'est nul. Avec la main de Dieu. Qui sort trois joueurs. Avec la main de Dieu, ça fait plus peur. Quoi. Mais ça fait peur, mais c'est rare que ce soit efficace quand même. Voilà. Et là où je marque la première mi-temps, il avait replacé tous ses bonhommes. Il avait dit ce qu'il dans tous les sens. Après, si tu fais un roster qui chasse le nul. Scrappa ou ce bâton là, sans fanatique, il est bien. Mmh. Parce qu'il n'y a pas trop d'âmes secrètes. Mmh. Il n'y a que deux. T'as tes trois trolls, donc ça cause. Ça cause. Le bon truc à faire avec des gobs, sinon, c'est de jouer avec deux tronçons aussi. Hein. Ouais. Tu prends Nobla et t'as tronçon à toi. Puis... Il faut de la relance, c'est dangereux. Mais le fanatique, c'est compliqué. C'est compliqué. Je peux montrer des clips où j'hésite entre sortir un Saurus et un Squig. Mais bon, c'est assez rare. T'as un chatard en face de toi qui fait un 3D contre et il te le sort quand même. Quoi. Voilà. Oui, mais en fait, c'est parce qu'il faut pas utiliser comme un pilier ou un truc comme ça. Il faut utiliser pour aggro, en fait, principalement. Moi, je cherche à aggro avec. Hein. Je cherche vraiment aggro à fond. Et c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Et après, il faut protéger un peu ton fanatique. Mais oui, 2 dés rouges, un ordi qui te le sort, c'est fini. Quoi. Ouais, clairement. Mmh. Là, je trouve que la compo du gob, c'était moindre mal au niveau de la RNG. Tu vois, c'est moins pourri qu'une équipe gob qui va faire des 1 et qui va tout rater. Mmh. Bah, il y a le sournois en trop quand même. Oui, le sournois, ça sert à rien, bien sûr. Peut-être des points qui restaient. Oui, mais. Ouais, mais bon, il aurait pu mettre glissade contrôlée. En fait, il y a pas mal de combos que tu peux mettre à la place. Ah, oui. Tacle plongeant. Ou réception, ou alors équilibre, enfin tu vois, t'as pas mal de trucs. Ouais, tout à fait. Mais il y a plein de manières de jouer gob, de toute façon. Je pense pas qu'il y ait vraiment de. Enfin, il y a plein de manières de bien les jouer. Par contre, en format CDV, tu dois rentrer Wolgrot dedans, c'est certain. Oh oui, il a fait. Mais pour dire le truc, j'avais fait l'équipe de gob sur Fumble, j'avais chopé en plus un move sur le bâton en ressort. Donc ça fait quand même 8 de mots, c'est sympa. Mmh. Et j'utilisais mon fanatique pour faire les one turn en fait. Oui, t'as fait. Avec le 8 de move. Et bah il s'attend pas à l'adversaire des fois. Ouais, mais bon après c'est hyper niche hein, comme truc. Mais... Ouais, c'est possible, hein. Le one turn c'est possible avec le fanatique. Sans avoir à lancer de joueur rien. T'es un peu désespéré, mais tu peux y arriver. Bah, en fait, t'es quasiment sûr d'avoir. Il suffit que t'aies glissade aussi en fait, sur ton bâton, puis t'es quasiment sûr d'avancer. Après, il faut réussir à faire sa transmission et où ça passe. Bon, c'est plus difficile, quoi. Mais ouais. Non, c'est pas... d'ailleurs, il parle de push-push. Tu veux dire push sans joueur adverse et pex en tapant tes propres joueurs. Tu peux pex sur tapant tes joueurs avec le fanatique. Ah bon? Fanatique, c'est une ressource incroyable qui permet. Parce que je sais que si tu tapes un de tes joueurs, tu te fais turnover. Ouais. Mais de la pexer sur tes joueurs, quand même, ce serait. C'est un bug de Blood Bowl 2. Parce que sur Blood Bowl 2020, c'est sûr que non. Tu sais, où tu fais la CDV et tu piétines tes propres joueurs avec le boulet pour faire du tie-break. Non, c'est pour moi, c'est pour moi. Malheureusement, ça coûte pas comme des vrais aggro. C'est une action de blocage. Enfin, c'est une action spéciale de mouvement, en fait. Mais... Ah oui, d'accord, ok. Tu peux faire ça. Qu'est-ce qu'à prouver si tu peux faire ça. Très bien. Tu pex. Ah, ok. Ah, il y a quand même des grands spécialistes des gobelins ici. Hein. Punaise. Ah, punaise. Ça va chercher loin. Ça va chercher trop loin. Ça veut dire qu'il arrive à faire des blessures avec son fanatique. Quel chatard. C'est vrai que pas facile. Même la tronçonneuse, hein, si t'arrives à pexer avec pour lui mettre une vieille esquive, t'es content. Ouais, y'a Casco déjà qui joue en même temps. Ah, du coup, faut les envoyer. Oh la flemme de faire des raids. Alors, faisons un effort. Ils sont grands les viewers, ils peuvent savoir. De toute façon, ils sont endormis à moitié. Ah, c'est sûr que blocage sur le fanatique.
Oui. Ah oui, là, avec blocage et 3D. 3D, il l'a tout le temps. C'est Châtaigne qui est cool. Ouais. Châtaigne, c'est bien aussi. Ouais. Bah, en fait, là, en ce moment, sur Fumble, comme il n'y a pas de limite au nombre de matchs que tu peux faire, les gens, ils vont chercher du plus mouvement aussi. Donc, les fanatiques, ils ont Châtaigne, blocage, plus mouvement. Et voilà. Ça roule à travers. Ah, c'est vrai qu'un plus un mouvement, c'est rigolo aussi. Ouais. Hmm. Ah non, mais ça va être un bordel bah, sur oui, oui. BB3 avec le nombre de le nombre de matchs qu'on fait en PC. Ça va être un bordel incroyable. Ouh, ça sera la découverte au début. On verra bien. Non, parce que le jeu a pas été testé pour. Il a pas été créé pour. C'est pour faire autant de matchs avec chaque équipe, oui. Ouais. Ah, d'accord. Mmh. Ouais. Bon, on verra bien. Déjà sur la LRB6, c'était. Quand ils ont créé les règles, c'était le petit jeu niche, en dehors de 40K, de Battle, auquel les équipes de Games Workshop jouaient le midi. Donc ils faisaient un petit match, une heure et demie, machin, une petite ligue, c'était des trucs tout petits. Ouh, là, c'est comme les grands Munda. Là, tu parles du début, du début, du début, là. Ouais, t'avais des XP, des trucs comme ça. Figurines, c'est des bouts de papier. Mais regarde à quel point sur Blood Bowl 2, ça ne tient pas quand tu fais 80 matchs avec une équipe. Oui, alors. Bon. Alors, c'est un petit jeu de niche, mais qui a eu du succès et qui a une grosse communauté. Donc, déjà, voilà. Donc, il a été... les gens l'ont fait vivre. Et le Blood Bowl 2, il est très réussi. Très réussi. Après, c'est sûr. Moi, au début, je jouais en open. Je connaissais pas du tout. Et je tombais sur une Nain du Chaos qui avait 200-300 matchs. Et alors, ça marche pas. Et la BIS, ils s'en foutaient. Hein, parce que les mecs en face concédaient. Donc, du coup, ils pexaient. Voilà. Et ils s'amusaient comme ça. Et donc, moi, des fois, je jouais contre lui. Je faisais tour 1, boule de feu, et hop, je me barrais. Mais voilà. Donc, oui, il y aura toujours des aberrations. Après, tu fais des ligues, tu fais des systèmes, voilà. Si le système officiel ne fonctionne pas, tu feras ton propre... En ligue, en tournoi, en machin, ça va toujours marcher. Hmm? Parce que les coachs, enfin les gens qui l'organisent, sont au fait de ce qui ne marche pas. C'est leur compétition de base, voilà, CCL, les trucs comme ça. C'est ça qui ne marchera jamais. Ah, la CCL, ça fonctionne, hein. Il y a des joueurs, hein. Il y a des joueurs parce que t'as des gens comme par exemple Bigadin qui dit ouais moi j'ai pas envie de prendre un rendez-vous, j'ai envie de lancer. Mmh. Bah il faut accepter que c'est pas la même méta, voilà quoi. C'est un truc qui va favoriser énormément certaines équipes par rapport à d'autres. Faut faire. Bon. Bah tu joues des ogres, quand ta TV monte, ouais. tu te sens petit quand même. Hein. Après ce qui est bien c'est que d'une part, ils vont faire les match-up avec les classements Elo, donc si tu joues des minus, bah il sera plus bas forcément, donc tu auras peut-être plus de chance. Mmh. Et puis il y a cette règle spéciale des ogres qui font que les snotlings ne comptent pas dans la TV. Ah, c'est marrant donc, ça. Voilà, t'es un peu moins haut quand même. Voilà. Ah, sérieux. Et tu peux faire des compétences aléatoires qui vont coûter moins cher aussi. Enfin bref, t'as moins de peur, c'est que tout ça, ça n'a pas été testé à grande échelle. Bah, il y a Fumble qui a fait quand même pas mal de trucs, mais. Mais pas à la grande échelle avec autant de matchs. Oui, bon. Ah, bah quand même, hein. T'as des équipes avec des centaines de matchs et tout. Ils ont eu le temps depuis. Mais... Non, par contre, la diff, c'est que Cyanide, ils vont pas forcément y faire gaffe, quoi. Donc, Déjà dans la bêta, moi j'avais vu des équipes imbuvables. Hein. Enfin, tu vois, mais on sûr, bat sur le terrain sûr. Avec. Hein. Mais même la CCL, où tu fais des saisons de X mois, t'as toujours des mecs qui se connectent le jour J, temps zéro, et qui vont jouer non-stop, qui vont faire tous les matchs enchaînés pour être plus forts que les autres, et mettre leur équipe en haut du classement et pépère. Il y aura toujours des aberrations. Le truc dont il faut bien être conscient, c'est que la méta des ladders très longs, c'est champion hein, en ce moment. C'est pas les grosses équipes des nains ou quoi. C'est tout le monde prend Bomber, Morgue, Hackflame et gagne avec ça en fait. Hein. C'est... Le reste de l'équipe finalement compte pas tant que ça. Quoi. En fait, c'est le contraire. Hein, les équipes de nains, ils cherchent à rester en dessous de 1200, même avec plein de matchs. Puis ils prennent les griffes avec en fait quoi pour scorer et puis gagner. Mais bon. Mais ça on verra bien comment c'est sur Blood Bowl 3. Hein. Même à l'époque de la LRB6, c'était pas la même méta que sur Fumble. Par exemple, il y a rarement eu des équipes d'elfes imbuvables en CCL, alors que bah, normalement c'est les meilleures équipes à haute TV.